USA, USA, USA. Pour le gouverneur, allez, Aïe 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 aïe, oh purée, vous allez bien? Vous avez un gilet pare-balles, heureusement. Allez, on reprend, c'est parfait. Et attendez, je veux bien par contre des tartes aux pommes, vous inquiétez pas, je vous les paye. Vous en voulez combien du coup? Une pour goûter. Run. Non, ça me fait de la peine, les gars. Oh non, les gars, ça me fait de la peine. Regarde! Pardon, le chat, pardon, il faut en avoir marre, skin. Que la soirée vient de commencer. Vous êtes arrivé, monsieur? À l'aise. Oui, vous êtes arrivé quoi? Je me suis réveillé dans cet état-là. Ah oui? Vous savez pas ce qui vous est arrivé? Je crois que j'ai avalé ma langue. Ah. Vous êtes sûr? C'est très soudain quand même, hein, ce qui vient de vous arriver. Hein. Il va me dire fou, Mskin. Les femmes en maillot, c'est fini. AAAAAAH! Vous êtes arrivé quoi, monsieur? C'est un crié. Oh non, faut que j'arrête. Je suis con, je vais te ban, les gars. Oh, vous êtes arrivé quoi? Je suis mort de soif. Bah, il faut boire, monsieur, faut attention. Allez, passez-moi de l'eau. C'est le oui, on va vous donner de l'eau, monsieur. On va vous donner c'est l'eau, le ramadan, je suis désolé. Bah ouais, on va vous donner de l'eau, vous inquiétez pas. Moi, je suis pas musulman et pour tester, j'ai voulu faire le ramadan. Ah oui? Mais ça marche que pour les musulmans, ils ont une technique, moi, c'est pas. Ah, vous pensez? Oui, bah regardez, je suis tombé dans les pommes. Ouais, c'est vrai. Oh, cours de patinoire, il y a un cours de patinoire. Vous voulez y aller? Attends, c'est à 20h30, mais trop bien. Ah non, cours de patriotisme, rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir pour le coup. Vas-y, bah, allez. Vous pouvez y aller quand même, hein. Au poste de police du Nord, trop bien. On va juste faire une petite perfusion. Merci, Pozzi. Ça va durer 2 minutes et après, vous pouvez partir, ok? Ah, pour voir si j'ai des NFT dans le sang? Non, pas du tout. Vous avez pas vu, on va faire en sorte que vos corps soient bien hydratés. Non, mais parce qu'en fait, c'est les fruits et les légumes qui sont ébétoncés. C'est-à-dire, si. C'est ça. D'accord, pouvez-vous vous allonger sur le lit, s'il vous plaît, monsieur? Très bien. Bonsoir, madame, vous allez bien? Ça va, vous? Oui, ça va, super. Vous parlez, vous êtes pas trop bavarde? Non, pas vraiment. Ah, d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une dent contre moi? Non, du tout. Je vous connais pas. Ah oui, c'est vrai. Ah! Vous avez peur de piqûres ou pas, monsieur? On se connaît pas. Pardon, vous avez dit quoi, monsieur? Vous avez peur de piqûres ou pas? Des barres dans le. Des barres de malade. Des barres. Ah, c'est pas de réponse, hein. Vous avez peur des piqûres ou pas? J'ai peur que des arabes, moi. D'accord, vous avez pas peur des piqûres, donc non. Ça vous dérange pas si je vous pique le bras pour vous faire une perfusion? Non, ça me dérange pas. Des barres. Hop, je pique. Des barres. Ah, dites-moi quand vous piquez, hein. Dites-moi quand vous piquez. Bah, j'ai piqué. Pour le coup, ça pique, hein. Oui, bah oui. Je suis un homme sensible, hein. Je suis un homme, mais je reste sensible. On m'a toujours dit que j'ai été élevé par une femme. Oui, bah, c'est bien. Vous avez le droit d'être sensible, hein. Ah, oui, bien sûr, hein. Vous savez que je suis sensible, hein. Bah, c'est bien, vous avez le droit. Donc, je vous ai fait la perfusion. Merci. Pendant 2 minutes, bah, vous allez rester allongé ici, puis après, bah, vous pouvez repartir. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait. Six, comptez jusqu'à 120, du coup. 7. Bah non, 2 minutes, c'est 200 secondes, monsieur. Bah, comptez jusqu'à 200. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 60, 70, 90, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vous pouvez y aller, monsieur, vous inquiétez pas. Mmh. Allez, on te fait le tir. 45, 45, 70. Ah, regardez derrière vous, il y a un renard. Regardez derrière vous. Un renard, oui. Oui. Ouais, bah, il y en a 20, mais. Au revoir. Ophélia, Ariel, elle veut pas te soulever. Qui a besoin de se faire soulever? Non, c'est rigole, c'est une blague. Bonsoir les collègues, on va faire un dispatch s'il vous plaît. C'est qui? Ce soir on aide tout le monde, sauf les hein, les voilà quoi. Sauf les... Sauf les quoi? Les Kwakoubé. Ça va l'antagoniste. Oh merde, Alain, ça coûte cher là. Oh merde, l'arrêt de but. Excusez-moi de vous déranger. Vous pourrez me soigner, s'il vous plaît? Débarre. Les gars, débarre dans le chat, débarre. Les gars, débarre pour la chaise qui vient de se faire casser, les gars. Si vous voulez vous faire casser en deux, les gars, n'hésitez pas. Je fais quoi? Je cours derrière. Mais non, mais c'est pas dans le coffre. Débarre, mais j'ai pas accès au coffre. Mais j'ai pas accès. Débarre, les gars, pour la coudoir, débarre. Ma mère, c'est une pute. Oh oui, c'est vrai. J'ai pas les clés. Une pute, toi aussi.
Bonsoir. Bien le bonsoir, mademoiselle. Vous allez? Pardon. Oui, ça va super, je suis dans un forfait rempli de malice malicieux. Je viens directement pour ma quête, qui est donc le rendez-vous du patriotisme. Moi aussi. Ah, vous aussi? Enfoncé, vous appelez comment, mademoiselle? Madi, vous. Madi, moi c'est Bas. Comment? Moi c'est Bas. Bas? Bas, c'est juste Bas. Ok, bah. Vous c'est Madi, moi c'est Bas. Madi, Bas. C'est bon, monsieur. Excusez-moi, j'étais en fou rire. Excusez-moi, madame. Du coup, votre vrai prénom? Stanislas. Non, vas-y, c'est bon. Hein? Allez, quand... passez ma carte d'identité, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez dit je vais à l'unicorne? Vous avez fait un câble ou quoi? Les cartes d'identité. Pourquoi vous m'avez dit bah vas-y, je vais à l'unicorne? Pourquoi vous avez dit ça? Vous avez dit ça? Pour vous détendre, vous avez... Il y en a pour se détendre, ils fument des clopes. Vous allez à l'unicorne pour vous détendre. Tenez ma carte d'identité, madame. Moi, c'est Stanislas, vous avez dit. Et bah là, je vous crois, je vous appelle Stan. Et tu. Arrête de me draguer. Comment ça, tu m'appelles Stan? Stan? Non, moi, c'est Stanislas. C'est bien Stan. C'est illégal de parler plus fort, madame? C'est illégal. Vous m'entendez pas? Là, c'est bon, j'entends. Parlez comme ça, s'il vous plaît. Plus proche. Plus de bout de bouche. Plus proche, s'il vous plaît, comme ça un peu. Comme ça, on peut vous entendre mieux. Allez-y. Ok, bah, enchanté, hein. Voilà. C'est mieux, là. Là, c'est mieux. Ok, bah, ça va rester comme ça. Arrête de me draguer. Non, justement, je lui dis d'arrêter de me draguer, Choco. T'inquiète pas, mon cœur est pour toi. Bah oui, je vois... Elle veut quoi, elle? Oh, les gars, c'est incroyable ce qui se passe. Et madame, arrêtez, hein. Moi, mon cœur est pour Bella. Ça sert à rien d'essayer de quoi que ce soit. Ah, mais vous inquiétez pas, mon cœur il est ailleurs aussi. Bah voilà. Le cœur a ses raisons que la raison est meilleure, madame. Exactement. Ouais. Donc maintenant, attendons le rendez-vous, chacun de notre côté. Pris en fragment délire. Mais les gars, pour ceux qui étaient là avant elle, on est d'accord. Justement, je lui dis de pas me draguer. Merci Anis pour les 100 bits. Qu'il n'y ait pas de mélange. La police! La police! Non? Ouais, dis-moi. Bonsoir, viens pour le rendez-vous du patriotisme. Machin. Bonjour. Bonjour, ouais, il est là. Bonsoir! Le chef en personne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je l'ai, non, mon dieu. Allez, venez. C'est vous qui avez fait l'annonce pour le patriotisme? C'est, ouais, c'est ça, c'est ici. Ah, c'est super. On est pas bon. Madame! Bonsoir, mademoiselle. Madame! Ah, oh, ça va être trop bien, les gars. Pour le coup aussi. Ok, bah allez-y, rentrez, salle de dispatch, là, pas de soucis. Salle de dispatch, c'est... Alors, c'est où? Parce que moi, pour ma part, alors, je suis pas policier. La salle à gauche, là-bas. Très bien. Ok, il y a toutes les chaises, ok. Non, attends, viens, on va à droite, la petite salle là-bas, ils peuvent s'asseoir. À droite, ici, là. Ici. À droite. Ah ouais, la petite on est que trois, les gars. Bonsoir. Patriotisme. Ouais, c'est ça, tout à fait. Très de l'Amérique. On va apprendre c'est quoi le patriotisme. Amérique. Ouais, bien sûr. Moi, c'est mes premiers rangs. S'asseyez-vous. Bismillah. Alors, vous pouvez vous asseoir. Bismillah. Voilà. Quoi? Bah voilà, t'attends une réaction à ma phrase quand même. Quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit, monsieur? Non, vous inquiétez pas. Ah ok, attends pour moi. Je trouve que c'était un voilà quoi. Non, justement, si contre moi aussi. Je vous serre la main. Ouais, c'est... Non. Fallait marier Stan. Il va mourir ce soir, Stanislas, Bella. Bella, Choco. La couleur. Il va mourir ce soir. Mambule. Criminel. Barbu. Ramadan. Tout à fait. Bonsoir. Voilà. Bienvenue, mon frère. Merci. Bienvenue, monsieur, bienvenue. Bon stream, guys. Merci, Choco. Profite bien avec ta pote. J'ai vu que t'étais avec ta copine. Non, c'est 13. 13. S'il vous plaît, les frères, on va resserrer les rangs, les frères et sœurs, on va resserrer les rangs. Mais c'est 13. Hey, tu dis pas ça.
Monsieur Tress. Non. Je sais d'où ça vient, ça. Désolé, non. Parce qu'ils sont, il est derrière. Non, parce qu'il est juste le on mec. On prend de la place, on s'élargit parce qu'on est comme ça et on est américain. On est bien là, non? On est, ouais, on est bien. C'était juste voilà. Pour qu'on serre un peu, genre. On peut. Je mets mon micro. Oui. Bonsoir, mes petits puceaux. Bon, bonsoir. Alors, vrai, pour ma part, ça se fait pas parce qu'en fait, faut savoir que. 13-16. 13-13, pardon. Mm-hmm. Pour savoir quoi? Bah, pour savoir que moi, c'est pas de ma faute si je suis encore puceau. C'est juste par, par principe. Tu vas t'asseoir. Merci Pierre pour le 33ème mois. Couscous, il vient pas, le couscous là? Mais il a intérêt à venir à Amir. Ouais, 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 mais en tenue civile. Spaghetti, par contre, tu te mets en tenue civile, d'accord? Mais je suis en service. Oui, ça s'appelle Spaghetti. Fin de service. Ouais, appelle le couscous Amir, ouais. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pas raciste, je tiens juste à préciser. Moi, je l'appelais Pierre Amir. Voilà, ouais, mais en civil. Bah non, y'a rien de raciste. Ah non, toi, t'es un gradé, vas-y, reste. Oh, salut, toi, monsieur le gouverneur! Bon, bonsoir, désolé, excusez-moi. Bonsoir, monsieur le gouverneur, mes respects. Bonsoir, bonsoir. Mon Dieu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, je viens assister au cours. Oula, oula. C'est parti, les gars, on reprend. Oula, ça tire beaucoup quand même. C'est quoi ce bordel? Bon, c'est rien, c'est de la chasse. On est dans le nord. On va aller sur les coutures. Ouais, des dingueries. Ne quittez pas, c'est encore des airs, des bandits. Qui font encore Mexicain, des cons. Quoi. Ah, vous avez dit des arabes? C'est la ref. C'est la ref. Bon, alors on va se calmer, d'accord? On va pas accepter les éléments perturbateurs. Surtout que nous avons monsieur le gouverneur avec nous. Merci Mirad. En parlant de sauveur d'Amérique, bon. Et ben nous en avons un dans notre pièce, c'est magnifique. Ah, vas-y, vas-y, ça, vous entendez? Les arabes, encore une fois. Les arabes. C'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Il y a énormément de coups de feu là, c'est normal. Bah, dès que le fouton il est passé, il sort. Rigolez, vous allez voir l'enfer. Stanislas, s'il vous plaît, asseyez-vous. Excusez-moi parce que votre blague, elle est. Vous rigolez sur ça, hein, vous allez voir l'enfer. Hein. Oh, c'est un fou. On s'assoit. Bien. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Nous allons passer par le premier sujet de cette leçon. Le f'tour. Je vais le chercher, j'arrive. Qu'est-ce que c'est le f'tour? Vous savez. Oh, les gars, fait mourir. Quelqu'un pour participer? Ah non. C'est quelque chose qui n'a pas rapport à cette formation. Parce qu'aujourd'hui, on va apprendre ce qui est américain et ce qui ne l'est pas. Il y a la guerre, il y a la guerre dehors. Le pourquoi du comment l'Amérique est arrivée. Quelqu'un peut nous dire comment l'Amérique a été découverte? Moi. Oui. Oui, Stanislas. Alors, tout simplement, donc l'Amérique, si je peux me permettre, a été découverte. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonjour. A été découverte par Christophe Colomb en 1783. Non, 1492. Et en fait, directement, Christophe Colomb a vu qu'il y avait des indigènes. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est voilà. Faux. Christophe Colomb a vu qu'il y avait des indigènes. Les indigènes ont été. Vous connaissez la chanson. Et aujourd'hui, l'Amérique et ses si belles. Malheureusement, je vais pas être content de vous le dire. Merci, Raze. Mais depuis quelques années, l'Amérique commence à s'amochir. Pourquoi? Qui a une théorie à donner théorie. Du pourquoi, du comment l'Amérique se rend moche actuellement? Oh, Stanislas, oui, continue à participer, garçon. Bah, si personne ne prend la parole, je me permets. Alors, l'Amérique s'amochit depuis l'arrivée de la mixité, en fait. Depuis que. Non. Ok. Réfléchis. Il faut juste comprendre un truc. La mixité, c'est pas mal. D'accord? Les Afro-Américains, par exemple, sont américains. C'est vrai. Les Latino-Américains, hein. par exemple. Sont américains. Mais en revanche, le latino qui vient en Amérique, oh merde, je suis latino. Se déclare pas, là ça pose problème. Si je tape dans la télé. D'accord, si, le latino ici. Oh putain. Et bah voilà, oh merde, je dis latino, je dis trois fois. À chaque fois que je dis latino, il va frapper, donc on va dire lat. On va dire lat, d'accord? Pour dire latino, parce que sinon il va frapper. À chaque fois que le lat vient par le sud, chez nous, dans nos campagnes, et ne déclare pas qu'il est présent, et qui gratte notre travail, et qui n'est même pas capable d'aller demander la nationalité américaine, et bien alors ça nous met en rage. Oui. Et ça, c'est ce qu'il faut Patriote,
Patria, son en colère. Monsieur le gouverneur, qu'est-ce que tu as à dire? Je soulève mon drapeau American First. C'est beau ce que j'entends, c'est génial. Merde, mon écran est tombé. Monsieur le gouverneur qui allait nous aider. Je vous jure, fidélité, loyauté. La personne qui parle beaucoup devant, elle est elle-même étrangère, elle habite à la Colina. Bonjour monsieur, je peux vous... Oui, mais là c'est pas toi, Stanislas. Alors oui, si je peux me permettre, pour ma défense, bah c'est... Alors j'ai fait l'erreur d'habiter chez eux, j'ai enfin déménagé, parce qu'en fait je savais pas que c'était un camp latino à l'époque, c'était la Colina, c'était nos terres, avant qu'ils nous les volent. Voilà. Voilà. Ok, tu es américain par naturalisation. Monsieur le gouverneur. Oh putain, je me suis sauvé. Vous pouvez savoir une chose sur tous ceux qui, portent l'uniforme actuellement du SASP, font une promesse sous mes ordres. C'est la promesse d'accepter de vous suivre, vous, guide du peuple américain. Toujours loyauté au gouverneur. Parfait, je vais donc tester leur loyauté. Stanislas, vous, en tant que bon américain, vous pouvez nous chanter l'hymne national, s'il vous plaît? Mais avec plaisir. En a cappella? Non, maintenant, on a cappella tout de suite, là, dans les 5 secondes. Avec le taser, on sait jamais, parce qu'il a passé papier. Très bien. Allez-y, on vous écoute. 1, 2, 3, c'est parti. 3, 2, allez. Water from is no chase. It's beginning to know to Big Mac. C'est ça, vos Américains? Sarkozy, il a fait l'évasement fiscal. Stanislas! Oui. Assieds-toi. Désolé. Là. Ok, ce n'est pas le seul. Hein. Ce n'est pas le seul, oui. 13, vous pouvez nous chanter l'hymne national, s'il vous plaît? Oh, can you see on the sign for the sky and the right standing on the light light? Merde, je flop. Continuez. It's right vous voyez, personne, vous avez vu chez Mus, je trouve que ça serait important chez Mus que... les gens connaissent notre hymne. Exactement, et on est là pour ça, et je le dis tout le temps, merde. Vas-y, bah, à un moment donné, les gars, là, le but de cette formation... Mais je la connais, je sais, laissez-le. Mais je la connais, moi, je la connais, des cœurs. C'est lui qui a créé l'hymne. Exactement. Non, c'est une blasphème au père fondateur. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Tu réponds pas au gouverneur. Sachez que ces cours-là auront lieu 2 fois par semaine pour vous améliorer et comprendre. Maintenant, nous allons étudier la deuxième thématique. Pourquoi M. Cal Cooper est la voix de la raison et le guide du peuple américain? Excusez-moi, halt, halt, Voltrates. Alors, je suis un jeune farfadé malicieux rempli de malice et j'aimerais donc savoir, vous, monsieur le gouverneur, chantez-nous l'hymne national, hein? Vous, en tant que gouverneur, allez-y. Vous qui blasphémez votre peuple. Gouverneur, c'est mon rôle de faire chanter les gens, voyons. Je suis sur le trône. Qu'est-ce que tu dis? On a un peu sur le bout des football. Stanislas, tu demandes à Neymar de jongler. Imbécile, va. Reste dans le droit chemin et assis-toi, Stanislas. Retrouve la voie de la raison américaine. Vous pouvez reprendre, désolé. Grâce à Chémus, notre sauveur. Vraiment désolé. Vraiment désolé. Vous avez raison. Bien, par contre, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous allez être parfois mis dans des situations compliquées. Des situations comme j'aime le c'est pas d'ailleurs. C'est pas le mec au fond de la classe. Ça veut dire des situations charmes incroyables. Des situations assez cocasses où on ne sait pas agir. Là. Par exemple, voilà, là, vous êtes face à un immigré, vous vous baladez, tac-tac, hop là. Mise en situation. Je fais immigrer. Stanislas. Oui. Et qui veut monter sur scène? Moi, puisque Yes We à moitié latino. Oui, mais vous avez un truc dans la bouche qui nous dérange. Oui. Amir. Malheureusement, c'est mon couscous. Ouais, viens mon couscous. Viens. Alors, Amir, il doit s'intégrer. Il va montrer qu'il s'intègre. Voilà. Pour moi, c'est ça. Voilà. Stanislas, oui. Des Amériques, c'est ça. Derrière moi. On vous fait un exemple et vous devez comprendre comment on agit directement. Très bien, très bien. Allez, tu fais l'immigré. Viens, 13, viens faire l'immigré. Viens. Ok. Je me mets dans le personnage. Hein. Ouais. Et donc nous, on doit dire en question qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Bah, vous verrez, vous reproduirez la même chose. Ah, très bien. Bonjour, monsieur. Eh, bien, monsieur. Hola, hola. Oui, bonjour. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis au chômage et je prends de la drogue. C'est quoi ce bordel, les gars? Parce que je suis mexicain et je viens voler votre travail dans votre pays. Hey! Et là, vous prenez un truc et vous le lâchez pas. Là, vous le lâchez pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voles? Répète ce que tu voles. Répète. Ok, vous maîtrisez. Une fois la maîtrise, vous appelez SASP, il remonte dans le bateau, vous appelez et la police. Il retourne au pays. Ok, mise en situation, Stanislas, couscous. Je te pique dans 2 secondes, viens chez moi. Ouais, couscous, tu fais l'immigré, Stanislas, tu fais le contrôleur. Allez, on se met en place. Bonsoir.
c'est Anna. Allez. Vas-y. Bonsoir, bonsoir monsieur, comment ça va? Bonjour monsieur, on s'en va. Oh là là! Attends, il est fou ou quoi? Il est malade! Voilà. Étasez-le. Passe. C'est bon? Passe au sol. Passe au sol. Oh merde, t'es pas ça qu'il fallait faire? Prise. Il y a un décès. Elle est complètement. Oh, je t'avais pas reconnu. Passe au sol. Ok, ok. Ok. Comme réaction, non? Bon, attends, attendez, j'ai vu ce qui s'est passé et il a eu raison. Il a eu raison. Il a planté. D'accord. Il a eu raison, c'était dans la mise en situation, d'accord que... Bah oui, moi j'ai eu peur. Mais c'est aimé, on l'aider là. Peut-être porter le secours quand même. Ah, non, mais... ouais, il l'a vraiment planté. Stanislas, tu l'arrêtes. John, tu l'arrêtes. Stanislas. Mais bah, alors, non mais, non mais, les mêmes. Ça passe il m'a agressé avec son accent, j'ai eu peur. J'ai répondu, la team défense, on en Amérique. Alors non, un accent c'est pas quelque chose qui va te menacer, d'accord. Je un accent, pas médecin, c'est juste un défaut parmi tant d'autres. Oui. Je ne veux pas que tu répondes par la violence. Je suis la désolé. Violence, c'est ce qui tue les gens. Vous avez raison. Allez, Amir, aujourd'hui, aujourd'hui, pour des raisons d'ethnie, encore des personnes se font la guerre. Et ça, c'est mal. La guerre, c'est le nerf de la douleur. Mais des fois, c'est nécessaire. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, les FARC. Vous avez déjà entendu parler des FARC? Je vais m'asseoir. C'est... Ouais, ouais. Oui, bah t'asseoir. Oui, 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 bah oui, oui. On en oui. Les FARC. À l'heure actuelle, il faut rentrer en guerre avec eux. Et Monsieur Cooper, t'es mal. Un autre bâtard, il m'a dit, voilà, je connais pas l'hymne national. C'est un escroc, frère. Décision pour nous guider vers la victoire. America, Cooper. America, America, America. America. Donc là, ce que vous voulez voir, c'est mal. America. Là, la situation Stanislas avec Couscous, c'était vraiment pas bien. Pourquoi? Désolé. Parce que il a utilisé la violence contre quelqu'un qui était tout simplement immigré. On ne violente pas les gens parce qu'ils ont une couleur ou un accent différent. C'est mal. C'est mal. Quand quelqu'un n'a pas ses papiers en face de vous et qu'il est immigré, vous le dénoncez directement au SASP, mais vous ne faites pas justice vous-même. J'en ai marre de devoir le répéter. La gueule. Bien, maximum. Ma petite dame, bonjour. Bonjour. Mais il a étranglé. Mais oui, mais il a étranglé. Bien sûr, madame, et vous serez récompensé pour ça. Comment ça qui s'échappe? Vous parlez pas d'animaux, voyons. Excusez-moi. Oui, faut le mettre en cage, madame. Madame. On peut mettre en cage. Mais vous l'avez étranglé juste avant, le monsieur. Stanislas, je suis colère. Ok. Madame avec les cheveux blancs, bonjour. Oui, bonjour. Venez, s'il vous plaît, montez sur la scène. Criez, mademoiselle. Pas de soucis. Ok, très bien. Présentez-vous. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Lily Harris et j'aspire à être brancardier chez les médecins. Vous voyez, comment bonjour Lily. Bonjour Lily. Comment vous voulez aujourd'hui que l'Amérique puisse évoluer lorsque la jeunesse veut évoluer en tant que brancardier? Mais qui veut être brancardier? Merde. Mais toi t'es pas utile. Oh, bah elle a viré déjà. T'as incité à la violence. Madame, vous êtes une pute et vous retournez vous asseoir. C'est vous la pute. Bien envoyé ça. Vous retournez vous asseoir s'il vous plaît. Voilà, dis-lui. Regardez, aujourd'hui, vous voyez plus loin si vous êtes jeune. Oh mon dieu. Voilà. Oh mon dieu. Vous êtes chier. Oh mon dieu. Et après, elle dit qu'elle est conduite. Je suis mais arrêtez là. Mais arrêtez là. Elle est sûrement immigrée. Voilà, voilà, voilà. Non mais je veux juste soulever quelque chose d'important. Donc elle va se taire la dadame. Je mets un big up à big à bail 45. Aujourd'hui les jeunes ne veulent plus porter l'uniforme. Merci Vegeto. Ne veulent plus s'engager dans les services publics utiles tels que le SASP ou l'armée. L'armée, mesdames, messieurs, est quelque chose d'extrêmement important. J'ai fait des années à l'armée. J'ai combattu en Afghanistan, plus précisément, été déployé dans 3 villes. À Chouhaddem, à Chakharkaddem et à Meshikrihaddem. Voilà, c'est le raciste. C'est le raciste. Vous vous taisez, vous écoutez, bande de connards. Et je peux vous dire que rien n'est plus beau que lorsque vous êtes un Américain et que vous portez l'uniforme américain. Moi, je porte un uniforme de policier, je suis fier. Alors, s'il vous plaît, la jeunesse. Qui, ici, a moins de 25 ans? Levez la main. Bah oui, moi, je... Madame, va prendre l'hume de la blanche. Voilà, madame... Stanislas, par exemple, madame aussi ici présente, je vous invite fortement à faire un stage au SASP Nord et découvrir quelque chose qui vous sera d'aide. Vous êtes burné. On va mourir au SASP, les gars. Vous aider.
Voilà. Qui vous dit que je ne suis pas déjà? Comment? Qui vous dit que je ne le suis pas déjà? Bah parce que vous voulez faire brancardier, tout simplement. La honte, bah la honte. Regardez là, pointez-la du doigt. La honte. La honte. Vous avez rien dit, quoi. Vous avez le même travail. Mais oui, mais à un moment donné, brancardier, madame, à un moment donné, si votre délire c'est sucer la bite des EMS, et bah là, il y a un problème. Réfléchissez. Respectez les médecins. Il part en couille, là. Je vais t'étrangler. Voilà. Oui. Non, juste pour parler des EMS, justement, qui sont là et qui chialent quand quelqu'un est mort. Mais qui ne voient absolument rien sur le terrain et qui restent en arrière-plan. Ne soyez pas EMS, rejoignez le SASP ou directement les forces de l'armée. Directement. Réfléchissez-y. Les EMS, ça sert à rien. Il a dit d'être. Le prochain cours, mesdames, messieurs, nous parlerons. Bah, 13 dealers, le prochain cours, il sera composé de quoi? Prochain cours, c'est technique d'autodéfense devant un barrage d'immigrés. Ça arrive au Nord-Pas-de-Calais, ça arrive. Ouais. Exactement. Donc, prochain cours, dans deux jours, on étudiera tout ce qui est les techniques. Voilà. Les techniques de corps à corps, la soumission, la sécession. Tout simplement. Voilà. On va vous apprendre à faire des circonstances, on va vous apprendre à faire des hydratations. Si vous défendre, si malheureusement vous êtes tout seul dans la rue et que vous ne savez pas comment agir. En tout cas, soyez patriotes, aimez l'Amérique, aimez M. Cooper. Et bordel de merde, votez Donald Trump. Wow. Wow. Et God bless America. Non mais il a dit les termes. Non mais il a dit les termes. God bless America. God bless. Non mais je te le dis, voilà, c'est parti en couille depuis qu'Obama est passé. Mais bon, voilà, ça c'est que mon avis. Bon, on n'est pas là pour parler politique. Cooper. Avec Cooper. Vive Cooper. Le Nord, vous avez une promotion et une prime. Voilà. Oh là là. America. America. USA. USA. J'ai du mal à vous entendre, monsieur Cooper. La télé. Cooper. Pour le gouverneur, allez. Allez. Et pour le gouverneur, allez. Et pour le gouverneur. Vous êtes les bienvenus pour venir me parler, on s'arrangera si c'est pas possible. Voilà, en attendant, le message aujourd'hui pour vous, et méfiez-vous des bandits, tout simplement. Allez, au revoir, au revoir, et bon cours, et bonne soirée à vous. Juste un dernier mot, faites attention à vos vélos. Si vous avez des vélos, sécurisez-les. Ça, c'est que 3 sur 10. Mettez des antivols. Ah bah oui, on m'en a volé un cette semaine. C'est les pires, mais j'en ai aucun qui sont. Il a raison, quand vous voyez quelqu'un tomber en vélo, c'est... rigolez pas, c'est peut-être votre vélo à vous. Surtout si c'est un... Exactement, Stanislas. Ils sont particuliers, mais bon, c'est attention, des bons agents. Attention, une petite blague pour la fin. Qu'est-ce qui court plus vite qu'un maghrébin avec une télé dans les mains? Qui ça avec la télécommande. Allez, on s'en va, allez, on patrouille. Mais vous me parlez pas parce que. C'est hâte de travailler. Imaginez Stanislas, flic avec les deux fous là. Ah non, mais là. Imaginez. Ah non, il y en a assez subi avec eux. Slashmi espère un stage. Inch'Allah. Non, je suis ouf, les gars, mais Starfall. Ah,
bonsoir, bonsoir, seigneur. Bonsoir, je viens pour le stade de patriotisme, enfin, suite à, au cours. Vous avez été vraiment... Pardon ? Je crois qu'il vient de finir. Ah oui, non, mais vous étiez tellement convaincu que j'aimerais... que j'aimerais faire, faire un stage. Un stage. D'accord, d'accord, d'accord. Bougez pas, d'accord. J'aimerais faire un stage 3, là. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Des katas, des fables, YouTube. Mais mort, là, il est mort. Il est mort. T'es allé pour Chimus. Bonsoir. Bonsoir, on est le soir, on dit bonsoir. Bordel de cul. Ouais. Il y a monsieur qui veut faire un stage de patriotisme encore. Le dispatch et venez, Pardon ? Venez, vous voulez faire le stage de patriotisme ? Oui ! Bah venez, venez. Non mais c'est bon, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah c'est fini ? Non mais on va... Ah, attends, on va... Oui. Viens, viens, venez, venez, venez. Ouais, ouais, il est mort. C'est bon, vous faites plus le malin avec moi maintenant parce que vous avez compris, hein. Vous avez compris, c'est qui le chef ici maintenant ? La prochaine qui fait le malin avec moi, je lui casse la gueule. Oh, on va se calmer, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va le mettre en brancard ou quoi ? Ok. Ouais. Je vais te niquer, toi. Pardon. Bah, lui veut faire un stage. Poil de carotte. À l'accueil. Qu'est-ce qu'elle veut ? Des blondinettes. Sarah et Tango Akio. C'est bon, maintenant faites plus le malin. Akio, Ali et Aaron. C'est une dinguerie de se battre avec un genou en 2024. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va, ça va. Regarde Terry. Monsieur Stanislav, vous venez ? Oui, oui, bonsoir. Non, 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 il reste à l'accueil. Je vais voir avec Glenn si c'est possible. Ok. Oui. Non. Merde. Attends, non, sérieux. Ah bah. Oh là là ! En plein ramadan, Starfall-là, ce que j'ai vu ! Tu situes la position de l'individu. Madame, madame, enlève ! Oh là là ! Faites le ramadan, monsieur Stanislas ? Bah non, mais vas-y, frère. Ça va et toi, Sean? Je vais la planter. Prends couille. C'est quoi, pardon, c'est une blague. Mais madame, vraiment, vous voulez être brancardier dans votre vie? Oui, pourquoi pas? Mais vous avez, ah, oui. Pas des objectifs plus gros? Bah, j'aimerais bien être police ou médecin. Mais non, mais genre, vous voulez être aspirant brancardier, ça, c'est... Oui. C'est ça, vous voulez que je vous explique pourquoi ? Bah, allez-y, expliquez pourquoi. Oui, en fait, moi, je suis malade depuis que je suis petite, et un jour, je suis allée à l'hôpital, et en fait, j'étais sur la route de l'hôpital, il y avait un accident de voiture, et il y avait un monsieur, et en fait, il était en accident, et en fait, j'ai vu le monsieur avec le médecin et le brancard, madame, et puis madame, mais c'est quand même super, madame, oui. Parle-moi fort, Lily. Vous parlez beaucoup de fou. Ouais. Désolée. Si vous pouvez réduire la consommation d'air. C'est bon. En plus, madame, vous sentez de la bouche un peu. Parlez. Je me suis... Alors, c'est faux parce que j'ai mangé un malabar ou barbapapa, d'accord ? Ok. Donc, bref, c'est pas le sujet. Aspirez l'air quand vous parlez, genre, expirez pas. D'accord. Parlez en aspirant. Écoute. Allez-y. Et donc, en gros, je me suis dit, c'est quand même super astucieux cette histoire de brancard parce que peut-être qu'à l'époque, les morts, on les tirait par les pieds, ça leur râpait le dos. Et du coup, je me suis dit, abrège. Ta gueule. Va faire ton brancard, va faire ton branquignol, mon frère, c'est une dinguerie, ça. Va brancarder des gens, c'est ap, moi. Tu me racontes, celle-là. Ouais. À deux doigts de la planter, celle-là. Oh, il est en train de voir avec Glenn. Mon grand homme, je suis muté ce soir ici, mais ça va, et toi ? Oui, ça va super. Bonsoir, les agriculteurs. Pardon ? Je dis bonsoir, mais c'est les policiers. Oui, dites-moi. Ah, voilà. Lui, il attend Seamus, oui. Oui, j'attends Seamus concernant un stage. On voit une position, je vais arriver. Oui, gros dégueulasse. Bon, je vais dans le bureau avec tête de bite, là, le rouquin. Monsieur Stanislas, est-ce que vous avez donné un invoker pour dans le futur? Tu me suis Non, je compte pas faire de bêtises. Bonsoir. Tu me suis? Oui, c'est bon. Au revoir. Moi, c'est vraiment des hâtes, j'espère. C'est mon rêve de faire un stage. Afin de voir les fins fonds de l'Amérique. Et faire des trouvailles. Stanislas. Oui. C'est moi-même, je m'assois. Tiens, tu t'assois devant, s'il te plaît. Ouais. Ah, devant vous, pardon. Désolé, c'est du mal à comprendre parfois, c'est une maladie. Stanislas, alors laissez-moi taper votre nom. C'est quoi votre nom de famille ? Stanislas Urandos. Ah, vous avez un casier? Non. Si. Non. Si, en tout cas, vous êtes fiché dans nos potentiels gangsters. Ah, oui, dans le passé. À l'époque, avant, vous avez fait des bêtises. Là, ça y est, c'est fini.
Et vous n'avez plus jamais rien fait, je peux savoir ce que vous avez fait professionnellement, il n'y a pas longtemps. Professionnellement, j'ai braqué une supérette. Là, récemment, j'ai rien fait. Vraiment, ça fait au moins 2 semaines, j'ai rien fait. Vos yeux. Dans 2 semaines, je n'ai rien fait. Je vous jure. Vous jure. Voilà. Je suis désolé, ce ne sera pas possible de continuer cet entretien, monsieur. Je vous souhaite... Pourquoi vous avez vu ce que vous employez comme mot. Non, désolé. Non, j'ai dit voilà. Ah, voilà. Ben oui, non, voilà, dans le sens que voilà. Non, voilà. Non, J'ai eu des échos de mon capitaine, comme quoi anciennement vous appartenez à un gang, et mon capitaine, ça lui casse les burnes. Ben oui, mais c'était à l'époque, c'est fini. C'est il y a longtemps. Ouais, je sais bien, mais je sais bien. Moi, je suis pour une seconde chance. Ben oui. L'Amérique pardonne. Mais il faut que vous compreniez que dans le Nord, il se passe énormément de choses, et que si on prend quelqu'un qui a une psychologie de gangster, il risque à tout moment de nous polluer le cerveau, oui, et mais de polluer l'intérieur. Allah wa alam, on est en plein mois du Ramadan, El Karim, on est dans le mois du pardon. Et on est dans le mois de... C'est vrai, et je suis pour la seconde chance. Du repentissage. C'est le mois dans lequel je pourrais refaire mes preuves. C'est vrai. Mais si tu veux refaire tes preuves, ça va prendre du temps. Bah tiens, le capitaine, il est là. Bonsoir, monsieur le capitaine. Monsieur le capitaine, bonsoir. J'expliquais justement à Stanislas qu'une stage, ce serait pas possible. Vu qu'il est fiché comme dans nos potentiels gangsters. Alors, il me dit que c'était dans le passé, que ça fait pas mal de temps qu'il a plus agi. Et qu'il essaye de se reconvertir. Mais en tant que gangster, ça va vraiment pas être possible, Stanislas. Il faut. Mais en fait, faut savoir que moi, c'était avant, c'est fini maintenant, et j'aimerais devenir un honnête citoyen. Déjà, regardez, j'ai renié mes origines, je suis devenu américain. Tu veux devenir policier? Oui, faire un stage au moins pour voir comment ça se passe. Alors, donc, pour faire un petit résumé. Pour pas de. Je sais pas, Glenn, je te laisse parler. C'était assez bouillon. On prend pas de stage en fait. Le truc c'est que sachant que t'es un ancien gangster, sachant que t'es un ancien gangster, etc. Le truc c'est que par exemple, si demain tu vas patrouiller et que t'arrêtes des personnes alors que t'as pas le badge, ça peut se retomber contre le SSP Nord. Laissez-moi au moins pas la chance de demain, mais juste aujourd'hui peut-être. Moi je vous demande pas de m'intégrer jusqu'à demain, juste aujourd'hui. Non, je te jure, Stanislas, c'est pas possible. J'ai peut-être une solution. Ah oui. C'est quoi la solution? Je peux essayer d'adresser un mot au commandant. Oui, au commandant, ouais. Ouais, on va au commandant 42 et on voit. Oui. Si t'en parles avec le commandant 42, il y aurait peut-être une possibilité, mais moi j'ai... Même si je suis capitaine, j'ai pas le pour vous, c'est non, quoi. Ça, pour vous, c'est non. En fait... Pour moi, c'est non parce qu'on a déjà eu des cas comme ça et ça a été non. En fait, c'est pour ça que je te dis ça. D'accord. Et du coup, j'ai pas envie de faire quelque chose qui pourrait se retomber contre moi. Tu vois, je préfère demander au commandant, voir ce qu'il en pense. Non, mais c'est un acte égoïste, y'a pas de soucis. Comment ça, égoïste? Non, mais c'est compréhensible, quoi. Vous avez peur que ça retombe contre vous. Vous voulez pas instruire et pardonner un humain. Vous êtes plus dans la peur de perdre votre poste, finalement. Non mais c'est compréhensible, c'est chacun a sa vision des choses et à son degré d'humanisme envers chaque citoyen différemment. Écoute Stanislas, le truc c'est que là justement on va en parler avec le commandant et c'est moi qui ai donné l'idée d'en parler avec le commandant. Si j'en avais rien à foutre et que j'en avais pas envie, je t'aurais dit non. Ne commencez pas à me parler comme Dwagby s'il vous plaît, à reformuler des phrases vraiment très compliquées. Commence pas, arrête avec les mots comme ça, je vais te baiser, putain. Maintenant vous le savez. C'est une dinguerie de cancel Dwagby partout. C'est dingue. Oui, mais PG a dit ça va aller donc. Vous avez dit le P-word parce que ça ne pas. Bon, allez, très bien. Chemes, tu vois avec 42 et tu me tiens au courant, ok? Ou sinon, je vois avec lui directement. Bah là, je vois avec lui. Je suis en train de voir avec lui. Si jamais il dit non, c'est pas grave. Hein. Oh là là, mais il va pas me péter les burnes, j'ai vu. D'accord. Donc, non, s'il dit non, c'est grave. Et t'es malheureux. Oui, non, mais pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que tu veux te reconvertir, si j'ai bien compris. Oui, je veux me convertir, oui. Te convertir à la police ou à la vie de gangster? Non, à la police. Que pour une soirée ou potentiellement du long terme? Non, que pour une soirée de long terme. Non, pour vous. Écoute-moi. J'ai pas envie de perdre mon temps. Attendez, si il y a Gopi, il m'a envoyé un message. Je vais le baiser, hein. J'ai baisé ça. Je vais t'enculer. Bah, si désolé, j'ai reçu un mail, il y a écrit Gopi. Ok, alors, je regarde la réponse du commandant.
Oh le casse-couille, il a dit non. Et ben voilà, c'est... Bon bah Stanislas, je suis désolé mais tu peux pas continuer. Quoi ? Il a dit non le commandant. Non mais... Arrête Stanislas, on mais... prend pas par les émotions, je suis fragile. Mais parce que moi je voulais me repentir et là vous venez de... Mais Stanislas, vous tu viens pu... de planter un mec devant nous. Mais vous auriez pu réaliser un rêve de me pardonner. Ne soyez pas heureux de tirer les potes. Déjà je vois il y en a qui étaient en tremblote. Oh, tranquille les potes. Moi je voulais simplement essayer de me repentir. Stanislas, écoute, tu vas pas nous faire un couscous pour tout ça, ok? T'as eu ta carrière. Vous avez raison. Maintenant, si Stanislas, il est malheureux, Stanislas, il prend ses petits bagages et il retourne au Mexique. D'ailleurs, Chemus, il y a c'est vrai en patrouille avec 95 là dans le nord là pour ce soir. Ah ouais? Ouais, ouais. Ils patrouillent dans le nord ensemble. T'as dit quoi? Ils patrouillent dans le nord ensemble. Ouais, ils patrouillent dans le nord tranquille, ensemble. Tranquille, tranquille. C'est la punition de Reese, donc si tu veux aller avec eux après. La vas-y. Punition de Reese. How we go again? Oui, t'es puni une soirée dans le I'm go back. Comment ça, il est puni? Oui, parce qu'on l'avait. C'est bon, les gars, on a le motif de la mort RP ce soir, on va faire un attentat au commissariat. On va trouver des explosifs, des trucs comme ça, les gars, et on va tout faire péter. Hein. C'est bon, les gars. Avec qui? Avec quoi? Avec ça c'est la question. Ça c'est la ouais, on va trouver une solution. Ouais, on va trouver. On va ouais, t'inquiète. On va trouver une solution les gars. Déjà, on va commencer par braquer le mec en face. Oh, ça tue. Attendez, les gars, mais wesh. Les gars. Oh. Oh, a rabbit. Oh, it's very minion. On va aller on va les gars. Wesh, mais c'est Hala. Oula, lui il conduit pas très bien. Bonsoir. Je vais prendre 5 soupes. Voilà Stanislas. Ça va tout le monde? Il y avait un mec qui était mal garé devant, fais gaffe. Si c'est toi. Non. Bah si. Alors. Juste, je prévois de faire un attentat au gouvernement ce soir. Ah, c'est ok. Tu nous invites? Okay. Voilà. Non mais juste, c'est d'explosion. Non mais on se fait chier, donc vas-y, dis-nous. Hein. Non, pour de vrai, ça va être vraiment, ça va être vrai. Tu fais pas des annonces okay, à quelle heure on commence à y aller? Attends. À quelle heure, Stanislas? Je sais pas à quelle heure exactement. Ah oui, mais ah bon. Dans la soirée. Ok, on passe la soirée au gouvernement, hop. Ouais, dans la soirée, ouais, dans la soirée. Dans la soirée okay. Tout seul, tu seras tout seul ou... Ah. Excusez-moi, je réponds un mail important, désolé, ouais, vite fait. Mais oui, ça va être dans la soirée, là, tout seul. Non, mais bien, t'es allé au coiffeur. Oui, je suis allé au coiffeur. T'as vu? En vrai, c'est bien. Mais plus pro. Excusez-moi, les gars. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, il faudra que je prenne des otages. Vous savez ah. Quoi ah bah tu veux nous prendre en otage? On se met d'accord, si tu veux, on se met d'accord. Hein. Tu peux nous prendre en otage. Hein. Bah, si vous êtes au gouvernement, ouais, c'est très bien que vous faites ça. Par contre, attends. On est de la c'est mairie. C'est 2 000 $ pour me prendre en otage, hein, minimum. On est dans la mairie, donc. Oui, 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 bah. C'est oui. Pas mal. Hein. Oui, 2 000 $ pour prendre en otage minimum, toi, ta dot, elle doit coûter un béni. Au moins 30 000 $ minimum, du coup. Oui, c'est ça, ouais. Bonjour, c'est moi qui étais en premier. Non, déjà. C'est Adam d'abord. Bah, non, parce que c'est handicapé, donc j'ai la carte prioritaire. Moi, je suis enceinte, voilà, tiens. Attendez, hop, je mets une patate dans le ventre, pas. Hop là, y'a plus bébé. Non mais... Y'a plus bébé. Voilà, donc oui. Donc s'il vous plaît, mettez-moi, s'il vous plaît, 8, alors là, 3 pancakes. Ça sera madame. Alors, moi, bien, ça madame. Sera 5 soupes avec 5 points de nuit, s'il vous plaît. 5 soupes et 5 points. 5 soupes, c'est quoi? C'est un f'tour? Je veux que des trucs où il y a le moins de gluten possible ou pas du tout de gluten. Oh, elle nous fait la vegan féministe. Oh, là. Bah non, c'est que je suis allergique. Pardon. Ok, très bien, je vois ça. Je rigole, c'est une blague. Voilà. En plus, c'est le mois de la femme. Pardon? Bah c'est le mois de la femme, non? Je crois. Ah, jure, je savais pas. Hein? Pourquoi?
Bah, je sais pas, je crois, je c'est pas de mon bah, c'est, bah. Il y a pas de mois de la femme. Madame la mère, pourquoi si, c'est le mois de la femme. Mais si, c'est le mois de la femme. Existe. C'est le mois où on doit respecter les femmes. Tu imagines bah, je crois que c'est pas réussi pour non, mais c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Trop drôle. Ok. Ah. Je vois que c'est une blague. Oh là 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 là. C'était une blague. C'est notre nourriture là. Mais par contre, c'est vraiment le mois de la femme. Hein. Miam. Ouais, faut investir là. Wesh. Ouais, oh, faut acheter. Elle est sous Samsung S1. Samsung, c'est les meilleurs. Non, Samsung, S23 ultra, niquez vos mères. Voilà. Oh, Samsung. Ouais, j'ai une notif d'un BlackBerry, c'est dingue. S'il vous plaît. C'est du S23 ultra, ok. Merci bien. Merci. Monsieur. Enfin, madame. Très bien, monsieur. Mon Samsung. Moi, c'est madame. On y va. Oui. Oui. Je voudrais 3 shfenj, 4 moulkhia, 2 shorba. Pardon. On fait pas ce genre de choses ici, vous savez. Ici, c'est plus hot dog, monsieur, cheeseburger, soupe Campbell. Allô, t'es dans le nord ? Tarte aux pommes. Je prends un hot dog. Hot dog, allez, c'est parti. Pourquoi ils disent hot dog ? Est-ce que vous voulez ketchup moutarde dedans ? Ketchup moutarde, s'il vous plaît, sauce algérienne. Attends, ça. Ah, ça va être compliqué. Attends, je vais voir ça. Attends, je vais voir ça. Qu'est-ce qui va. Attendez, qu'on va rentrer par derrière, un truc comme ça. Attendez, les gars. Merde. Oui. Du coup, tenez. Merci. Et juste, je voudrais, s'il vous plaît, si vous pouvez me faire aussi. 3. C'est quoi, vous avez des pancakes? On a des cookies, des tartes aux pommes. Ok, 2 cookies s'il vous plaît. 2 cookies, ok. Pépites de chocolat ou pistache? Pépites de chocolat s'il vous plaît. Oh, okay. Les gars, j'en avais une idée de fou. C'est vraiment mon idée de fou, les gars. J'irais plutôt mon idée d'arabe. Non, je rigole, non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Ça me fait plaisir, tenez. Oh, merci beaucoup. Et attendez, je veux bien par contre les tartes aux pommes, vous inquiétez pas, je vous les paye. Je suis désolé, j'ai oublié. Vous en voulez combien du coup? Une pour goûter. Okay. S'il vous plaît. Oh non, ça me fait de la peine, les gars. Oh non. Oh non, les gars, ça me fait de la peine. Oh non, les gars. T'as fait exploser. J'ai vu ça, mais ça marche pas sur Flash Black. Oh non. Caron, il vient en vélo au travail, m'skin. Non, ça se voit, la vie, elle est dure pour lui. Son vélo, il est même pas de cadenas. Oh non. Hein? On m'a compris, les gars. Bon, c'était une caméra cassée. Ok, monsieur Gilbert. Vous voulez faire mettre la facture, c'est pour voir si vous allez ravir ou pas. Oh, bah, attendez. Non, j'ai. Bah, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça se prend pas. C'est pas grave, pas de soucis. Ok, pas de problème. Bonsoir, Stanislas. Rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Tiens, monsieur, tu me mets une bière et les gars, tu dis. Comment? Il a vu quoi? Vas-y, tu mets une bière et les gars, tu lui mets un soubouder. Madame, venez. Mais. Ouais, madame, est-ce que vous subissez de la misogynerie par rapport à Seamus? Non, ça va. Il est pas raciste ou homophobe envers vous? Non. Quoi non. Bah non, je suis américaine, il a pas raison d'être raciste envers moi. Vous avez raison. Vous parce qu'il est très agressif. Merci pour la bière. Oui. Faites attention. Il n'y a pas de soucis. Bon, on est en service, mais on peut se faire plaisir. Salut, Ethan. Du coup, je vais prendre les deux menus. T'as raison. Et puis, passeront la minute. Merci, monsieur. Au revoir. Pas de soucis, merci. Voilà. Au revoir, c'est à nous. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir, au revoir. Bonsoir, au revoir. Bonsoir, au revoir. Au revoir. Putain, et les gars, je crois qu'on va reprendre Bijou et on va aller dans le nord. Hein. Je crois que ça va faire ça, les gars.
Ou même pas un autre perso, mais dans le Nord, genre un perso en mode comme Mercedes. Vous vous souvenez Mercedes, les gars? Oh là là. C'était un arc masterclass, ça, quand même. Et qu'est-ce qu'une femme à la préhistoire? Oh putain. Ça peut être drôle. Non, vous verrez, vas-y, on verra les gars. L'essence, non, c'est le moteur, il est cassé là, t'es mal, il fume. Mais l'essence aussi, on est presque à sec là. J'arrive en ville, je prends un nouveau véhicule et on voit ce qu'on fait, hein. Mais putain, les gars, j'ai pas d'amis, j'ai rien. Faut que je me fasse des amis. À la Conina, ils veulent plus de moi. Go se faire des amis, hein. Attendez. On va essayer de faire des amis. Mais j'ai plus d'amis, frère. Putain. Les gars, j'ai plus personne. Oh non. Oh non, les gars, je suis solo. Fields. Attendez, Fields. Ils ont tous wipe. Ouais, Fils, hey, ça va ou quoi, Fils? Ça fait longtemps. Ouais, ça date le bouc, tu deviens quoi là? Ça devient comme bref, tranquille. Ouais, Pépouzant The Flouze, qu'est-ce que tu prends là? Ça fait depuis 2018, on t'a pas vu avant le Covid carrément. Bah ouais, c'est à prendre pour des nouvelles, ça dit quoi? Ah ouais, mais la dernière fois on t'a vu, t'étais en 2008, trop chelou, sérieux. Avec une voiture mineure, c'est vrai. Ouais, c'est ouais, vrai. Ouais, voilà, avec un petit A, tranquillou. C'est vrai. Galère le bouguinou. Ça dit quoi, Phil? Je viens en news là, qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe comment là dans ton ghetto? Je viens prendre des nudes, tu connais, je viens prendre des nudes. J'ai été viré de la Colina. Tu veux que je t'envoie ma beuteux? Comment ça tu t'es fait virer de la Colina? T'étais en intérim? Ouais, je me suis viré parce que. Pour tromperie de mes origines. Mais quoi? Comment ça t'as mangé du couscous? Ben non, mais c'est pas. C'est un peu trop américain pour eux, c'est ce que je veux dire. Ouais, je comprends si vite ce que je veux dire. Là, tu fais quoi ce soir? Là, t'as du boulot, tu branles quoi? On est là tranquillement, ça allait dire carrément ça du boulot ou quoi? Tu me dis, hein? Je te rappelle dans 5 minutes là, je vais peut-être te faire bouler toute la soirée si tu veux. Prends rien là, celui-là. Vas-y. À deux doigts de branler une biche, tu vois ce que je veux dire? Ouais, à deux doigts de mettre ton sboob dans le huc d'une chèvre, ouais, comme au bled. Vas-y, le bouc, dans 2 secondes là, je te rappelle la soirée, je t'envoie sur des bails. On a pas le même blaze, mais vas-y, hein. Vas-y, avec les moutons. Vas-y, à tous. Vas-y, mon pote. Vas-y, Phil. Oh! Oh! Mais les gars, j'y étais là! Trop grand. Même en hiver, ma gueule. Tu connais. T'as capté ou pas, les gars? T'as capté ou pas, les gars? Hein? Même en hiver. Tiens, ce que je veux dire ou pas? Tiens. C'est un peu sale. C'est un. Hein? C'est du lossa, ma gueule. Bon, allez, on va dans le sud. Moi, ce que je vous propose, le chat, si vous êtes chaud, est-ce qu'on se ferait pas une petite supérette là? Histoire de voir si j'ai perdu mes talents de conduite. Parce que faut savoir, pour ceux qui me connaissent pas, je suis très très fort dans la conduite. N'hésitez pas à témoigner dans le chat, à dire oui, c'est vrai, dans le chat, si, par rapport à ma conduite, pour ceux qui connaissent, qui. Voilà. N'hésitez pas. Il y a tout le monde qui dit oui, c'est vrai dans le chat. Regardez les gars, regardez, tout le monde dit oui. Wallah, j'ai pas fait exprès. Putain. La preuve. Non, ça c'est un accident. C'est pas la même chose. C'est un accident. Change de voiture, frère. Non, elle est bien celle-là, elle est bien. Elle est bien.
Il est beau quand même le jeu, les gars, pour un jeu de fait en 2013. Hein. Il est beau quand même, hein. Vous en pensez quoi? Vraiment beau. Solo. Solo. Faut de la monnaie donc, je level up. Tu vas prendre perpète au volant. Voilà. Ah, quelle belle journée les gars, faut me dire les gars, quelle belle journée. On met le petit masque. Apu, donne-moi tout. Apu, donne-moi tout, Apu. Putain, Breeze il est pas dispo. Enfin, Apu il est pas dispo les gars. Non, après on va dire, faut que j'arrête, après on va dire que je suis raciste. Vous avez passé une bonne journée, ceux qui viennent d'arriver sur le live? Un bon lundi? Une bonne reprise de semaine ou pas? De toute façon, le lundi, c'est ce qui va définir votre semaine. Hein. Si le lundi se passe mal, la semaine, elle risque d'être hard. Très bientôt. Ouais, ça va, nickel. Merci Aven pour le sub. Ouais, quelques petits problèmes personnels tous les jours, j'en ai là, mais... Mais c'est important, on essaie quand même d'être régulier en stream. C'est important les gars, c'est important. J'essaie en stream de montrer la meilleure version de moi-même. Et de pas vous montrer des problèmes perso ou quoi. Et m'amuser en live. Même si parfois c'est hard. C'est important quand même de pas oublier le stream, c'est mon travail quoi. Mais... Mon but c'est pas de lancer des lives et chouiner quoi. Ça fait 3 jours que je suis malade. 3 jours t'es malade? Mais c'est rien frère. Pour une semaine la grippe. Une semaine. M'a pas lâché. Okay, don't shoot. Ah le cousin. Wesh les gars j'ai chaud alors que le chauffage il est éteint dans mon local. Il fait bon dehors non? Ça veut dire. Il fait bon limite là. Thomas, le streamer le plus sincère avec ses viewers. Ah ouais, vous pensez? Je réfléchis. Si je dois m'auto-juger sur ma sincérité en live. Bah non, je suis pas le plus sincère parce que parfois je vous mens. Bah non. Parfois je vais faire Zarma. Y'a rien alors que y'a quoi. Mais c'est le but des streams. Même parfois je vais mal IRL. Mais je lance un live et ça me rend heureux. Oh l'essence, non ça va. Oh non la police, vu alors. Merde, crotte de bique. Et hop là les gars, c'est fini. Oh purée. Oh merde. Vous allez bien? Ça va, hein, ça va. Heureusement que... Vous avez un gilet pare-balles, heureusement. Oh, bah oui. Allez, on reprend, c'est parti. C'est quoi cet accident? Mais genre, on dirait que c'est un accident de fou, mais au ralenti en même temps, genre. Le mec s'est retourné alors que je l'ai tapé léger, frère. Je suis dans le galère ou quoi? Attends, mais c'est moi je l'ai perdu carrément. Mais attends.
De celui-là. Oui, il y a encore bon. Hop. Hop. Hop là. Ah non. Oh merde. Bah reprenez l'autre du coup. Hein. Ouais. Vas-y. Excusez-moi. Pardon. Non, c'est. Je sais pas parce que oui. Les fruits, ils sont hyper tensés. Les gars, on va tester un truc. T'as à l'époque de. En 2013. Oula. Esquive. T'as à l'époque de 2013. L'époque où sur GTRP il y avait que des goats et des cracks et des malades. Mais carrément tu peux grave te train avec le mec là qui a fait la poursuite. Elle fume la voiture, je vais lâcher. Non mais ils me verront pas là, ils sont trop cons pour vérifier le toit. Après j'ai tapé le mur quand même les gars, non? J'ai tapé le mur quand même. Bon, je vole une voiture et je vais à la colline, je vais aller voir qui se passe dans mon gang. Bonsoir, excusez-moi, bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir. Eh, salut. Bonsoir, excusez-moi, c'est un zone farfadé malicieux rempli de malice. Et j'aimerais savoir si vous pouvez me déposer au parking rouge, s'il vous plaît. Ouais, allez-y, montez. Ah, oh, c'est vraiment j'ai pas de deuxième casque par contre. Ouais, non, vous inquiétez pas. J'ai un casque sur moi. Ok. Vous m'avez dit où ça? Au parking rouge, si possible. Parking rouge, ça marche. Ouais, merci, c'est gentil. Vous faites quoi dans la vie? Je suis flic. Enfin, je suis rookie encore pour l'instant. Ah, ouais. Y'a des gens qui braquent des supérettes ce soir là ou. Il y en a eu quelques-uns, oui. Ouais, non. C'est des enfoirés, hein. Ah bah oui, c'est pas gentil. Surtout ceux qui braquent à côté du commissariat. Ah non, mais non, il faut pas ça. Ouais, non, faut pas, hein. C'est pas bien. Et ouais. Et c'est bien, flic. Bah oui, c'est bien. Ah. On aide les gens. Mais moi, j'aimerais bien devenir. Je viens d'arriver en ville, c'est pour ça. Ah bah il faut. Ouais. Mais enfin là la prochaine PA ça sera dans longtemps du coup. Ouais non pas aussi, bah c'est toujours dans longtemps de toute façon. Et non pas parking gros s'il vous plaît, au casino je vous avais dit. Ah au casino. Ouais parking casino s'il vous plaît. Désolé. Parce qu'il y a pas de vue qu'il a volé en fait. Ah c'est moi. Et ah, c'est mal avec le casque. Non c'est, bah, c'est normal, c'est le. C'est l'MTR07 la moto. Non je sais pas, enfin on me l'a donné. Ah ok, quelle la sens. Ça fait longtemps que vous êtes en ville? Bah oui, je suis né ici. Ah, vous êtes né là? Oui, je suis né ici. Et rares sont les bons américains comme vous. Hein. Ah bah oui. Il en faut. Je suis d'origine mexicaine. Enfin, ma mère, elle est mexicaine. Ah, bah après, les erreurs, c'est pas de notre faute, hein, vous savez. On... Bah c'est pas une erreur, ma mère. C'est pas gentil, ça. Non, pas votre mère, mais son origine. Bah, c'est... Ah, si, enfin, elle a pas fait exprès. Bah oui, elle a pas... mais c'est ce que je dis, en fait, c'est qu'elle a pas fait exprès en soi, donc elle est pardonnée. Oui. Et vous comptez évoluer jusqu'à où dans le grade de la police? Ah ben si je peux devenir chief, comment on dit le poste, moi ça me va. Ça vous va quoi? Ah ben oui. C'est vrai. Vous vous appelez comment? On débute. Moi c'est Kazé. Kazé? Ouais. Comme le mec fait de la musique? Bah tout le monde en parle mais je connais pas, j'ai pas encore écouté ses sons. Mais celui qui fait la musique. Je sais pas, je connais pas. Oui. Mais on m'a dit, lui c'est avec un K, moi c'est avec un C. Oui, c'est ça.
C'est ça, okay. C'est lui. Bah merci beaucoup. Je vais trouver mon véhicule, il est là, là quelque part, parmi ici. Merci beaucoup, monsieur. Putain, je dégarais où ? Je crois que c'est lui, hein. Ouais. Ah là là. Ma clé, elle est où ? Ah. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Tranquille ou quoi, mec ? Tranquille. The Silotaz que vous cherchez à l'heure actuelle ? Hein ? The Silotaz que vous recherchez ? Comment ça ? T'es l'otage qu'on recherche ? Ouais ! Bah, je te laisse monter dans le véhicule. Très bien. C'est quoi, c'est interview au but, c'est ça ? Allez-y, merci. Vas-y, grimpe. Voilà. Okay. Je vous ai pas vu vos visages, hein. J'ai fermé les yeux, vous inquiétez pas. Bah, de toute façon, je m'en fous que t'aies vu mon visage. Très bien. C'est parfait. Et tu appelles ? Mais c'est nickel. Bah oui. Ah, il est beau gosse. Là. Bah oui, c'est nickel. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Mais attendez, quoi ? Oh, vous en savez vraiment, Jotav ? Oui, oui. Bah après vous avez quand même la gueule de deux ans qui sortent de l'otage, deux oracles comme ça. Enfin une oracle et une jackal. Ah non c'est les deux mêmes. Donc vous me dites bah c'est le bon moment quoi pour pouvoir T'es un monstre en fait. Mais c'est quoi ton nom toi? Stanislas. T'es fou de faire ça. Y'a pas de soucis hein, y'a pas de soucis. C'est un plaisir. Bah c'est un bah oui c'est un plaisir de partager mes capacités d'otage. Et c'est quoi tes capacités d'otage? Ah vous pouvez tout me faire, tout. Et je dirai rien à la police. Voilà. Okay. Alors attends. C'est le syndrome de Stockholm. Pas de soucis. J'ai hâte de voir le sale que vous allez me faire. Ah, t'inquiète. Ça répond ou pas ? On est au casino. Attends, les gars. Je viens de le prendre. Vas-y. T'es un monstre, Stanislas. Stanislas, tu régales. Y a pas de soucis, mais c'est pour quelle occasion la prise d'otage en question? C'est un petit voyage en train. C'est un petit voyage en train, je crois. Ah, merde. Pourquoi? Un petit TER, t'as vu? Ça c'est dangereux, ça, hein. Mais non. Non, tranquille. T'inquiète. Ça, vous pouvez tirer dessus et tout, non? Ah, t'inquiète pas, mec. J'ai hâte de voir mourir. De voir vous battre, pardon. T'inquiète pas, c'est pas nous. T'inquiète pas, c'est pas nous. Ah, c'est pas pour vous? Enfin, mais... nous, juste, t'as capté. Nous, t'as capté, on est là, en mode. En mode, on est des satellites autour, t'as vu? Ah, j'ai capté. Ah, en mode, vous êtes Uber Otaz. C'est quoi? Vous êtes Uber Otaz. Ah, oui. Exactement. Ouais, exactement. T'as et après, capté. On est Uber Récup aussi. Et après, on est Uber Récup. Je les ai captés pour le plan de fuite. Eh ouais. Est-ce qu'il y a un monde où vous m'oubliez dans le plan de fuite pour que je vois tout ça? On va trouver. Ouais, on va trouver une solution, ouais. Vois avec les autres. Vois avec les autres s'ils sont chauds, go. On va voir ça. Ouais. Et moi, en fait, mon but, c'est tout. Et après, interview combiné. Mon but, c'est de mourir ce soir. Donc, si possible, si vous avez des plavons. De gens, but c'est de mourir. De gens. Ouais, en vrai, on a une méchante tour. Ah, t'as vu au hood. C'est quoi cette panto avec des sirènes? C'est quoi cette voiture de con là? Ah, moi, à partir du moment où il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent je suis ton otage. Moi, y a plus bizarre, de choc. Soirée bizarre. Bah, c'est normal, hein, vous savez, on en partage. Hey, ils font quoi? Attends, j'appelle la police, les gars. J'appelle la police. On va les choquer encore plus. Ils sont lents, c'est les. Ils arrivent là dans combien? Ouais, je sais pas. C'est Spinner, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. C'était pour vous informer que je suis actuellement otaz au niveau du casino. Du casino? Oui, je suis otage actuellement de deux personnes. Donc ils ça marche, bah je vais envoyer des unités. Merci beaucoup. Là, ils partent. Là, on part au niveau du taxi. Je vais t'allumer. Du taxi, vas-y. En fait, là, ils vont prendre mon téléphone sûrement dans quelques instants parce qu'ils savent pas que j'ai. Je te prends ton téléphone. Ah merde, ils prennent. Ils roulent. Ah merde, ils raccrochent. Ils roulent, ouais, ils roulent au niveau du. T'as rien de fou aussi. J'ai pris, bâtard. Ah. Eh oui. C'est un otage farfadé rempli de malice et de malicieux.
On m'appelle le Farfa des Malicieux. À l'aide, à l'aide. Mais les gars, j'ai pas installé le pack de texture ou quoi? Pourquoi je vois une panto qui fait de la sirène? Bon, j'ai du merde. Wesh. Ah, ah, les gars, deux secondes. J'ai des messages importants, les frérots, deux secondes. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Attendez. Ouais, l'ancien. Je me fais chasser. Je me fais chasser, je me fais chasser. Je me fais chasser. À ton avis, par qui? Voilà, la prochaine. Merde, ce bâtard il a pas pris. T'as dit quoi? Toi t'es avec qui là? C'est chelou ça. C'est... T'es avec les autres là ou pas? Ah ouais? Ok. Re les gars, désolé. Ouais, je capte. Ah merde, c'est la police derrière. Bonsoir, c'est l'otage en question. Bonsoir, à l'aide. À l'aide. À l'aide, à l'aide. À l'aide. Ça va aller? À l'aide, à l'aide. Il est au téléphone, il prépare sûrement un plan de fuite. Désolé, mec, hein, désolé. Hein. Eh, hey, tu m'entends, mec, il conduit là, mec? Eh, hey, mec. Ta gueule, ta gueule. Bah, après, c'est les risques d'avoir un otage gratuit, quoi. C'est que quand t'as un otage gratuit qui tombe du ciel, c'est sûrement un farfadé malicieux rempli de malice et de froberie. Eh oui, hélas, j'étais sur ma quête. Ma quête de bougre d'âne, de vendeur de casquettes rempli de malice malicieuse. Ma mission était de vous rendre service tout en vous mettant des bâtons dans les roues. Malheureusement, on n'a pas tout ce qu'on a dans la vie, et puis... Alors comme ça, on rigole plus? Hein? Alors comme ça, on a les chocottes? On a peut-être les chocos? Hein? On a les chocos et la vanille? Insupportable, ah oui, vraiment. Hein? Eh, est-ce que vous mettez du gel sur les cheveux, vous, le matin, monsieur? Monsieur. Monsieur qui conduit. T'es de me déstabiliser, bâtard. Vous mettez du gel le matin sur les cheveux? Non mais répondez-moi. Vous êtes où avec l'otage? Vous mettez du gel ou pas sur les cheveux, vous, le matin? SSP, on s'arrête. Dites oui ou non. Oui. Vous mettez du gel sur les cheveux le matin? Moi, je mets du gel, Tommy. Ok. Vous avez compris la blague? Ouais, j'ai capté. Vous mettez du gel, moi, je mets du gel. Alors comme ça on répond plus. On est stressé. Oh, ils ont fait l'accident derrière. L'ascense te suit. L'ascense, ça serait vraiment dommage que notre patrouille prenne le relais. Ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage que cette autre patrouille se rapproche de plus en plus, par exemple. Et qui rentre sur l'autoroute actuellement et qui vous a vu. Ça serait vraiment dommage. Jeune farfadé malicieux rempli de malice et de fourberie. La sens. Ça, c'est fait. Comment ça, ça, c'est fait? Ça veut dire quoi, ça? Eh oui. Uber Otaz, faut être plus rapide avec ses clients. Ouais, j'ai un otage depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, parce que... Ouais, les flics, ils nous ont pris en chasse, mais tu connais, tempête en 30 secondes. Là, je suis Marina. Il m'a demandé de raccrocher tout à l'heure, les gars. Et ça se fait dans bon sens? Oui, allô, bonsoir, c'est l'Otaz. Grâce à mon deuxième téléphone, je vous appelle. J'avais un deuxième téléphone. Donc, actuellement, il va me reprendre mon téléphone. On est actuellement en casse. Je le prends. Ah putain, bah, j'ai plus de téléphone maintenant. J'ai plus de téléphone.
Ça va les gars, c'est rien, c'est rien. Aïe, 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 attends, attends, on a mal. Aïe, 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 aïe. La voiture, elle marche plus, hein. Aïe, aïe, aïe. Tac, 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 tac. Putain. Il y a un mec dans le chat qui m'a donné une vraie idée. A l'aide, vous appelez grâce à, avec mon Apple Watch. Oui, je vous appelle avec mon Apple Watch. On est Marina, 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 Marina. Vous êtes Marina? Mais tu doses pas, la vie de ma mère, tu doses pas. Bah, je suis hyper connecté parce que faut savoir que vous avez une Apple Watch sur moi, donc grâce à mon Apple Watch qui est connecté avec une eSIM, j'ai pu contacter la police. Viens, viens en dessous, pont faites faux, puisque l'otage il appelle les flics avec une Apple Watch. La vie de ma mère. vas-y, vas-y, viens, viens, viens. Il fait que ça, c'est pour ça que je suis obligé de bouger. Je suis en temps. Pompette foraine, pompette, je vous appelle avec mon appel vidéo pro. Pompette foraine. Encore, je vais le canner, je vais le tuer. Je suis sûr que je vais le tuer. Je t'assure que je rigole pas. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, ils nous prennent en chasse. Là je repars demi-tour parce qu'il vient de donner le col. Faites faux. Mais j'ai tout pris, L'otage qui est trop connecté. J'ai tout pris. Bah là j'ai plus rien là. Bah là c'est fini. Là j'ai plus rien. T'as de la chance. Là je suis arrête en vrai, non j'arrête, j'arrête, j'arrête. J'arrête. Vas-y, viens. On est là, on est là. J'ai plus rien. T'as de la chance que j'ai pas mis lui être connecté. Moi je suis sur le parking là. Si, je suis un jacal noir. Ouais, jacal blanc, ça me fume toutes les idées qui fusent dans le chat. Là, rentre. Vas-y, attends, je le sors. On est là. Et mets-le moi dans mon coffre, sinon je vais lui casser. On est ici. Va dans le coffre. Vas-y, grimpe dans le coffre, dépêche-toi là. Qui ça? Alors, je vais dans quel coffre? Parce que faut savoir qu'il y a deux voitures en face de moi. Devant toi. Ah, donc le coffre incessamment. Dépêche-toi, j'ai pas de temps à perdre. Ok, désolé. Pas besoin d'être énervé. Envoie-moi ton téléphone par la boîte à ski là au milieu là. Alors, tenez, parce que faut savoir que j'ai un Apple Vision Pro, mon Apple Watch, mon téléphone et un deuxième téléphone, un GSM. Passe-moi tout, tu sais quoi, mets-toi tout nu et passe-moi tout. Très bien, mets-toi tout nu, c'est de l'esclavage ça. Allez, mets-toi tout nu, je t'ai dit. J'ai rien à voir avec ce qui s'est passé dans votre passé, hein. Peu importe ce qu'il y a eu dans mon passé, mets-toi tout nu. Très bien. Ah, donne-moi tes vêtements là. Et tenez, un kiddie zoom de ma petite sœur. Tenez. Un kiddie zoom. Oui, on peut appeler aussi parce que je lui ai mis une eSIM directement connectée, c'est Samsung. Ok. Tiens, prends tout parce que je peux pas conduire. Alors, vous pouvez pas me prendre directement parce qu'en fait, j'ai un Neuralink dans le cerveau. C'est une puce de chez Elon Musk. Donc, grâce à ça, c'est pour appeler la police. Donc, faites attention. Me menacez pas. Écoute, dis-moi, tu cherches quoi? Tu veux que je te mette une balle entre les deux yeux? Qu'est-ce qui t'arrive là? Alors, tu sais, pour le coup, si vous voulez m'arracher le Neuralink, c'est au niveau de l'arcade qu'il est implanté, c'est pas au niveau des deux yeux. Tu sais qu'il y a pas tant d'efforts pour Kankan, hein. Tu t'as juste à le demander, hein. Dis Siri, appelle la police. Y a pas besoin de faire d'efforts. Je sais pas pourquoi tu fais des efforts. Dis Siri, appelle la police. T'en as marre de la vie, mon grand? T'appelles la police, hein. Mais t'en as marre de la vie, ou quoi? La police. Vous avez demandé un service d'urgence. Allez, ça. Je vais le baiser, ce fils de pute. Je vais le faire rebondir. À l'aise, à l'aise. C'est dans un coffre, à l'aise. À l'aise. Arrête de crier, fils. À l'aise! Je vais faire rebondir son crâne contre le trottoir, je crois. J'ai pas vraiment appelé, vous inquiétez pas, les gars, c'est pas bien d'appeler pour de vrai, c'est pas bien. Ne faites pas ça, non. D'accord? Je troll. Et une exemplaire là. Des champs pour exemplaire? Avec le bruit du vent, on est au niveau de la mer, sûrement là. En vrai de vrai, bah les couilles, non? Ouais, bah les couilles.
Attends, je vais troll, les gars, je vais troll. Il en faut un deuxième. Avec le bruit du vent, on est peut-être au niveau du Bahamas là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain, mais t'es doué toi. Attendez. Tac. Excusez-moi, madame. À l'aide. Ne répondez pas. Arrête de crier, je vais te tuer. Vraiment. Ok, donnez, pardon. Madame. À l'aide. Excusez-moi, madame. Madame. Ça va, vous allez bien, madame? Ça va? Eh ben, bien, et vous? Oula, ouais, fait peur. C'est quoi comme moto, ça? Madame, fuyez dans le coffre. Madame, fuyez, c'est dans le coffre. Stop. C'est bon. Non, pardon. Mais oui, voilà. Non, pardon. Désolé, pardon. Grimpe dans le coffre, ta grand-mère la pute. Pardon. Dans le coffre. Et je peux me mettre sur le. Dépêche-toi. Non. Non, mais la moto au moins. Je m'en bats les couilles de ta moto. Dépêche-toi, je te cale là. Mais je suis presque morte. Mais Paul K. Tu t'enfuis. Tu. Vous m'avez dit que fuyez. Non. Madame, suis bien dans le coffre. Va dans la voiture, Et suis tout nu, madame. C'est long, ne venez là, pas. Les gars, c'est long. Monte dans la voiture. Mais attendez, ne vous énervez pas. Monte dans la voiture. Mais monte dans la voiture, je vais te caler. Pourquoi je peux pas? Bah, c'est fou de ma gueule. Bah, c'est bien dans le coffre, moi, les gars, vous avez oublié. Tu vois, mon moto. Axel, merci pour. Je peux pas, je vous jure, je. Monte. C'est bon. Mais c'est quoi ces cas de aujourd'hui? Je vais serrer là. Vous avez tous craqué ou quoi en ville là? Vous m'avez fait très mal. J'ai peur moi, vous me dites fouillez. J'ai fui. Désolé. D'une lenteur tous là, les gars. Je viens on n'a pas votre temps. Bah nous on a peur, on n'est pas des voyous comme vous. Taisez-vous dans le véhicule. Excusez-moi madame. Oui. Madame, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien? Ça va? Fuyez, Alain, fuyez! Monte dans la voiture, monte! Tout de suite, tout de suite! Oui, c'est bon. Ouais, elle est rapide comme par hasard! Passe-moi ton téléphone, la meuf derrière aussi là! Mets ton masque, le big! Toi, t'es là, attends! Tais-toi! Toi, je te mets des petites tartes! Tiens, tes petites tartes là! Qui ça, moi? Non, la petite là avec sa multicolore, toi t'es une meuf quoi, des Bee Gees toi, hein, petite, petite connasse toi. Pas moi, c'est pas moi. Hein, meuf des Bee Gees, hein. Moi je suis la meuf de personne, quoi. Ah, t'étais là dans, la dernière fois, hein, quand on se tapait, hein, t'étais là. Quand, hein. Non, c'est pas moi. Confondé avec ma sœur, c'est sûr. Toi, je vais te faire danser, tu vas voir la vidéo du siècle. Oh là là, Loski, pardon. Tu vas voir. Moi, je vais te retrouver, je vais traverser la route et je vais venir me défoncer, tu vas voir. Ertag, envoie ta loque. Tu me fais peur, ma grande. Hein. Putain. Bah oui, et peur. Là, ça paraît pas, mais oui, flip, putain, mais oui. C'est pas grave. Allô. Toi, on va s'occuper de ton petit cas, toi, par contre. T'es où, là? Vas-y, va sur le train. Ouais, va dans. C'est qui a la truc, la disqueuse là? Attends, mais. Ah, mais oui, passe-moi mais ton petit c'est téléphone, encore l'Olympique, c'est la merde. Là, en fait. Mettez tout dans la boîte à gants, passe. Voilà, passe-moi tout ça là. Attends, je l'appelle. T'as un petit couteau ou quoi là? J'ai pas envie de te palper parce que il va avoir les mêmes baladeuses. Oh les gars, désolé, c'était important, les gars, vraiment. Toi! Qui d'autre? Moi, c'est Roxy. T'as encore les flics ou quoi? À l'aide! A l'aide! Au secours! Oh. Ah. Attends, t'as encore les flics ou pas? Eh, fermez vos gueules, j'entends rien là! Bah, commence par la tienne! Ok. Self-control. J'ai tous les otages là, mais on a pas. Bah, faut la disqueuse en fait, c'est toi qui l'as! Bah, mais faut pas que t'ailles au train, faut que t'ailles à l'aéroport! Les otages, ça vous dit qu'on fasse connaissance? Bah, que tu parles au Noach! Enchanté, moi c'est Stanislas, c'est vous? Ah oui? Stanislas, c'était un bon fils de pute, c'est ce que j'ai à dire. Ouais, en fait, le problème là, c'est que c'était encore les flics, c'est la merde en fait. Alors déjà, c'est un contre-fonquant. Merci Squad. Vas-y, je vais devenir fou. Attends, je vais les déposer les otages avant que je déconne. La tête de la mer, je suis en train de devenir fou là. Non, mais vas-y, attends. Faites attention parce que grâce à mon Apple Watch, je peux appeler la police. Faites gaffe. Encule-toi et ton Apple Watch. Alors c'est impossible, une série 9 c'est beaucoup trop gros pour qu'elle se fasse enculer. Hein. C'est la dernière. Mais comment t'es encore en vie toi dans cette ville? Désolé, je suis bah oui, bah moi c'est. Quand je suis blessé, c'est le médecin. Hein.
Bon, pire, elle canne, bah les couilles. Hein. C'est un moment où tu commences à avoir le tournis, ma grande. Allonge-toi. Hey, Yohem. Ok. Ah, j'ai besoin de toi là. Récupère notre disqueuse parce que l'autre là il est en poursuite avec des flics. Et va à l'aéroport, tu la donnes à tu sais qui. Ah, il y a la police. Il y a la police, crois. Il y a la police, les gars. A l'aide, la police, à l'aide. J'ai un mec dans ma voiture, il met la sirène dans les oreilles. Je vais l'aide. Sa mère, la police. À l'aide, la police, à l'aide. Je sais pas si je vais avoir la patience. Mais je vais les canner pour de vrai, hein. Je suis en train de péter les plombs là. Par contre, les gongsters ils sont même pas cap. Par pitié, moi je veux vous écouter. Oh la suceuse. Je veux pas mourir. La suceuse, je tiens ma vie. Je te rappelle. Bah moi aussi, hein. Bah vas-y, je suis au-dessus du train là, je vais déposer vite fait le big et j'arrive. Vous avez entendu les otages? On a un nom, on a le big. Vas-y, descendez. Descendez les trois là. Mettez-vous contre le mur là, dépêchez-vous là. Trois contre le mur. Sors du coffre, j'ai baisé, sors du coffre. Ok, je sors, excuse-moi, c'est un peu encombré. Ah, pardon. Sors du coffre. Mais oui, en fait, l'autre bouffon, il m'a dit fouiller. J'ai fouillé, il m'a tiré dessus. Non. Elle est où ton Apple Watch? Elle est où? Elle est ici. Non, pas mon Apple Watch. Ma main, si vous voulez, mais pas mon Apple Watch. Non. Hop. Non, mais je vais rien te faire. Contre le mur, les trois, vous regardez le mur. Mais du coup, on n'est pas contre, on est face au mur. Parce que si on est contre le mur, on met dos au mur. Parce que du coup, c'est face. C'est vrai, t'as bien raison. Hop là. Oh. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? T'es un pointé, toi? Alors non, à l'époque c'était un pointeur, mais j'ai sensé, parce que du coup, enfin j'ai un pointé, pardon, et j'ai sensé. C'est fini maintenant. Hop. Non. Oui, si toi je sais que tu vas pas comprendre sur le long terme. Comment ça? Hop là. Non mais j'ai compris. Hop. On va le faire à la bien. Non. Y a personne qui va nous faire quelque chose. Mais c'est elle, hein, c'est elle, hein. Elle avait qu'à avoir une couleur de cheveux, pas deux, hein. Oh, pour les... T'es là, tu nous fais des coverings chevelure, c'est quoi ce bordel? Ah, regardez ma pote, il m'a fusé, enculé! Putain, c'est bon, c'est lui, putain de merde! Hop là. Oh putain! Hop. Toi, y'a ça. Ok, je suis bon. Nickel. Donc, gauche, c'est bon. Je vais m'en souvenir. Un pointé, Stani Bah, à l'époque, c'était un pointé, ouais, ils m'ont viré du gang. Pourquoi ils t'ont viré? Bon, je peux comprendre pourquoi ils t'ont viré, mais c'est quoi la raison? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était que j'étais trop inactif. Quoi? Non, c'est pour de vrai. Ça a attaqué KFK, non? Oui, vraiment. Ok. Bah, toi, oui. Madame, t'es... Moi, je suis une personne sans histoire, je suis Lily et je cherche du travail. C'est dingue de pas avoir d'histoire. Pardon. Tiens, prends mon t-shirt pour ta balle à la con là. Hop. Et toi? Les Bee Gees, hein? Roxy la Bee Gees, hein? Non, pas du tout. Ils ont pris une blanche, les Bee Gees, je vais tout casser. Mais comment ça, une blanche? Bah, vous êtes très blanc, madame, hein, c'est vrai. Merci, Loski. Bonjour, mesdames. Mais t'es quoi? T'es le plan cul d'un mec de chez eux? T'es quoi? C'est sûr, ça se voit avec ta tête de covering là. Eh, fais gaffe, toi, avec tes cheveux oranges là. Ouais, on fait voir. Passe-toi, tes cheveux bicolores là, je crois que t'es DMK ou quoi? Bonjour, mesdames, messieurs. Ouais, fais gaffe à toi. Ton serpent dans le dos là. Bon, on va se tenir tranquille jusqu'à la fin, d'accord? Au moins, à la fin, vous pourrez récupérer petit à petit vos affaires. À chaque fois que j'en libérerai un de vous. Faudrait peut-être commencer par le début, mais c'est avec la grosse voix. Merci, Loski. Bah, vous avez dit, on va rester tranquille jusqu'à la fin. Mais c'est quand le début? Ah, le début, ça a déjà débuté quand on vous a pris en otage, les gars. Ah, d'accord. Ah oui, bah oui. Ok, c'est quoi notre mission? Vous avez pas de mission, les gars. Vous allez juste vous mettre à genoux, les mains sur la tête, et vous allez attendre que les choses se passent. Très bien, ça marche. Pour l'instant, vous attendez le fait que je vous le dise. Vous voyez? Commence pas à me jouer au con à vouloir te mettre à genoux maintenant. Putain, il a un bracelet. C'est trop de bol. Vous avez pas de bracelet? Ah, si. Oui? Non, mais vous inquiétez pas, ils vont pas faire tomber mon bracelet, ils savent pas que c'est moi. Je pense que s'ils ont entendu. Merci, Loski. S'ils t'ont vu être pris en otage, etc., et qu'ils ont appelé, peut-être qu'ils vont savoir que c'est toi. Mais non, personne n'a vu. Mais ils sont cons, regardez, personne n'a sonné mon truc.
En espérant que ça continue comme ça alors. Au pire, si vous voulez, vous donnez mon téléphone, des appels, leur dit ouais, les gars, c'est pas moi. Ils appellent pas et voilà, c'est tout. Non, c'est bon, tranquille. Ça marche. De toute façon, là, ton téléphone, là, il va pas sauter, je pense. Mon téléphone, non, mais après, j'ai mon Apple Vision Pro qui est dans votre sac et mon Apple Watch qui risque de sonner parce que j'ai des cartes SIM différentes. Je vais casser ton Apple Vision, je m'en bats les couilles que t'aies mis 3000$ dedans. Alors, ça, c'est illégal déjà pour commencer ce que vous faites. Ouais. Réel. Ok. Donc, Bee Gees pointé. Mais ils t'ont pas brûlé le tatouage? Genre là, pour eux. Hein? Comment? Non, non, mon tatouage. Ah non, ils ont pas brûlé! Ah mon dieu, l'explosion! Waouh, lourd. Reste, regarde bien le mur. Ok, pardon, désolé. Mais en fait, non, c'est le tatouage des Riffaz, mais je me suis trompé quand je l'ai fait. C'est les Riffaz, hein? Ouais, c'est le tatouage. En fait, oui. Et du coup, bah. Aussi détressé, les Riffaz? Bah, je sais pas pourquoi. Parce que les pointés, c'est détressé aussi, non? Ouais, c'est ça, ouais. Et vous êtes quoi, vous? GG, 6 blocs. Ah ouais. GG, 6 blocs. Non, GG's. C'est quoi ça comme gang? Gangster Disciple. D'accord. Ça, c'est les nouveaux gangs, ça. Oh, pas forcément nouveau, mais ouais, on a emménagé il y a pas très longtemps. Ah ouais, d'accord, vous êtes pas, ouais. En fait, des puceaux, quoi, des petits nouveaux, en gros. Dans le milieu, quoi. Vous êtes pas des grands gangsters, genre des. Ouais. Putain, si les pointés, c'est des grands gangsters, coupe une couille. Ouais, des types, quoi, des petits dans le milieu de l'illégal, quoi. Des petits milieux, ouais, dans le milieu de l'illégal, ouais. Vous avez capté, vous n'êtes pas encore au niveau de nous, les pointos. Anciennement, pointos. Ouais, anciennement, ouais. Mais c'est moi qui ai un peu appris les bases. Ah, t'as fait les tutos? J'étais refait à la base. Refait, carrément? J'étais refait, après, des FF. Ils auraient dit ouais les gars, enfin bref, ils auraient un peu trop appris. T'as moyen de m'avoir le numéro de Tron? Ah? T'as moyen de m'avoir le numéro de Tron toi? Ouais. Réfé, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est Réfé, ouais. Réfé, tout ça. Non, mais c'est bien, Réfé. Bah, bien sûr. Une bonne position, Réfé? Bah, y a rien au-dessus, hein, à part la Saint-Toi. La Santa Maria, tu voulais dire? C'est ça que je voulais dire. Oui, j'ai vu que tu t'es. En mêlée. Mais Stanislas, t'es un latino, toi? Bien sûr. Pourquoi, excusez-moi, papa? Oh, le prouveur. Non, c'est les mots, ils sortent en espagnol, c'est trop relou. Oui, trop relou. Je suis désolé, ouais. Et toi, t'es une latina, toi? Non, elle a dit qu'elle est rien, elle. Tu vis où, toi? Elle est neutre. Barrios. Barrios, mais quel Barrios? Parce que là, c'est un PNJ, la meuf. Elle a rien. En face du parc. 4-4-4-13-42, le numéro. 13-42 4-4-4. Comment vous avez, eu Braque-le. Mais comment vous avez trouvé mon code? Hein? Vous avez un code sur mon téléphone, comment vous l'avez trouvé? Mais on n'a pas trouvé. On a pas trouvé ton code. Ah, du coup, vous avez fouillé dans mon téléphone pour avoir le numéro. Ah non. Mais on parle avec Juan. Tu m'as dit 13-42? 4-4-4, genre 4-4-4. Ah, lui, c'est pas un... Ok. Après, mon code, les gars, c'est un 3-4 quand même. Est-ce que... Eh, les filles, là, y'a personne qui nous braque à l'heure actuelle. Y en a deux qui courent à gauche, moi, je cours à droite. Tentez-le. Non. Tu vas tenter tout seul. Dans 10 secondes. Quand plan pas que moi, je m'en prends une, je tombe, là. Ça se voit pas, peut-être. Et si ça marche, bon, il répond pas le... Hop. Répond pas le Juan. Le Juan, ouais, il répond pas, ouais. Merci Loski, merci Yaku, Yuka. Bonjour mesdames, messieurs. Pourquoi vous aurez dit quoi? Mais laisse-moi dormir. Ah bah il répond. Oh merde. Allo Juan, ça va quoi? Si, ça va toi? Ça va tranquille. Dis-moi là, t'as vu, je suis en train de faire un petit braquage de train à la bière, mais tu vois. Laisse-moi dormir. C'est Saulo des Ciblocs. Oui, je viens de choper un mec qui s'appelle... Il a reconnu ta voix. Ouais. Merci Squad. Je viens de choper un mec de chez toi, je crois. Il s'appelle Stanislas. Il me dit que c'est l'ancien réfé. Non, c'est pas l'ancien réfé. C'est un pequeño, il est devenu habitanté. Pourquoi il est devenu habitanté? What? Hein? Pourquoi il est devenu habitanté? Parce qu'il faisait trop de merde. Et sauf qu'on n'arrêtait pas de l'engueuler, ça lui pétait les couilles. Du coup, il aurait mis habitanté pour qu'il soit plus libre. C'est pas vrai, c'était inactif. Plus libre, ben là, depuis tout à l'heure, il fait qu'appeler les flics depuis qu'il est pris en otage. Bah, forcément. Merci Loski.
Ok. Ouais, vas-y, Juan. Je veux plus rien faire pour ça. Oh. Mais par contre, elle va donc faire ciao. Oh là là. Mais non, mon petit. Non, 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 j'en risque pas. Hein. De toute manière, je vais aller à de l'heure. Hop. Esquive. Hop. Hop. Descends. Putain, pourquoi la clé est fermée? Putain. J'ai rien voulu tester, je vous jure. Je suis désolé. Putain, les gars. Tiens, prends son couteau. Les gars, rien! Tampon américain. Là. Non. Je viens de te perdre ton couteau là. Comment? Non, sur moi le couteau. Son couteau, je l'ai pris sur moi, c'est celui tout à droite. Putain. Hop là. Je te le rendrai à la fin, c'était sage. D'accord, d'arrête. Inch'Allah, la police, ils ont eu l'appel, les gars. Oh, mais oui! T'es un petit culotté, toi, hein? Bah, c'est. Maz me dit qu'il faut essayer dans la vie. En fait, Stanis, là, je te dis la vérité. T'as vu si, par exemple, il n'y avait pas la finalité où on doit te rendre flic? Je pense que je t'aurais canné à la fin. Bah, non, si on se l'aurait fait, c'était un vrai gangster. T'es un vrai gangster, tu me cannes à la fin. Ah non! À te faire tes preuves. Ah, tu sais que moi, je suis là juste pour le braquage. Yes! Les gars! Mais après, c'est à toi de voir. Peut-être. Écoute, peut-être ta chance, tu les as entendus ou pas? De quoi? Tu as pas entendu la sirène? Oui, bah après, on est quand même dans le nord, il y a la FSP qui travaille, quoi. Il y a des gens. Ouais, et des... peut-être. Qui vont passer par là. Te sauver. Tu vas pouvoir crier. Bah, on est là! J'espère qu'ils viendront, peut-être. Et là, qu'est-ce qu'on attend? On attend que nos gars arrivent. Une fois qu'ils ont activé un certain braquage, nous on vous récupère et on va sur les lieux. De voir. Ils ont ouais. bientôt commencé ou pas? Vous êtes juste des pions en fait pas, finalement. Ouais, c'est ça, je suis un pion. Tu l'as été toi un peu un pion, non, à un moment? Ah oui? Mais en tant que pequeño, t'as pas été un pion? Si, c'est vrai. Après, en soi, on n'est pas des pions, on est une famille et on contribue à la famille, quoi, c'est tout. Oui, bon, la famille, ça t'a viré de chez toi, la famille. Oui, c'est bah ouais. Ça a pris ta chambre, ça l'a donné à quelqu'un d'autre. Bah, c'est pas faux, mais après, dans l'histoire, c'est de le mériter, quoi. C'est de ma faute. Merci, Loski. Je viens de remarquer à l'instant qu'il avait ses poils de torse. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a un problème? T'es jaloux, t'as pas de poils, toi? C'est quoi? T'as fait quoi? Tu portais des colvés et tu voulais pas qu'on voit tes poils, c'est tout? C'est une chirurgie esthétique, je voulais cacher ma aura. Ouais. T'es musulman en plus. Et... Je tente des trucs et je te jure, tu vas te perdre tout seul là, tu tentes des trucs. Non, je me suis déjà perdu. Non. Tu tentes des trucs de fou, hein. Non, je me suis déjà perdu, ouais. Et toi, pourquoi t'as mis des cœurs, t'as pris un jean avec des cœurs sur les seufs là? Tu veux qu'on te regarde, c'est ça? Non, c'est juste, c'est trop mignon. Trop mimi. C'est, ça, c'est vraiment une excuse de meuf, ça, c'est mignon. C'est quoi mignon, tu veux juste qu'on regarde ton pétard. Veux... Hein. Mais n'importe quoi. Ah, cochon, tu veux juste voir si la cochonne. Nous inciter dans le haram. Peggy la cochonne. Mais quoi? Avec ton covering là. Toi et tes poils là. Qu'est-ce que tu veux que t'as mis 8 litres de blush sur tes zooms, mon frère. Et alors, c'est trop mignon. Avec tes yeux tout noirs là, et carrément tu vois rien. Attends, mais t'as vu ta tête, on dirait un lapin. Prends le téléphone de cheveux roses là, regarde un peu les messages qu'elle a avec ces mecs là. C'est sûr d'avoir des messages hardcore. J'ai envie de galerie de baiser là. Quoi? Mais y'a aucun message. Oh là là, belle idée, j'avoue, belle idée. Je l'ai pris mon tel. Tiens, c'est tout à gauche. Ouais, rends mon tel. Tout à gauche. T'as d'affaire des hamas à 4h du matin dans un lit en ville. Non, là, oui, elle, j'en suis sûr et certain. C'est quoi le code? Mais c'est sûr, elle fait du RP Hamhamaj. Ah oui, tu peux regarder les photos, il y a des belles photos de pieds, ouais. C'est sûr, t'en vas tes pieds pour de vrai? Elle veut. Après, je peux vous les envoyer, je les vends à 5000. Pour de vrai? Il y a des bails ou pas? Oh, il y a quelqu'un. Qui est là? Bah, toi, des clients? À l'aide, à l'aide, à l'aide! Ouais, Milo, ouais, là, dans le oh putain! Oh non! Vas-y, hop là, go. Toi, cheveux orange dans le coffre ici là. Oh, t'as compris où est ta place? Excusez-moi. Et toi, et vous deux là-bas, venez avec nous dans le coffre. Monte dans le coffre, tu t'enfoiré. Monte dans le coffre, là, t'es là, tu. Oui, c'est qu'est-ce bon. Tu fais.
Ça va, là, ça va. Attendez, grave, les gars, il a mis une... Il a mis une corde. Je vais baiser, il y a que lui qui peut l'enlever. Sors de là, je te jure, sors de là. Bah alors, rendez-moi mon couteau. On va te le rendre. Mais je te le rends à la fin du braquage. Ok, d'accord. Mets la corde, là. Vous fais confiance, vous fais confiance alors. Tu vas te le rendre. C'est confiance. Tu l'as foutu en dépression. Mais quand ça, les gars, faut être unis ensemble. Ouais. Faut être unis. Tu restes avec le stotage, moi je fais ce que j'ai à faire sur le train. C'est lui que tu me parlais. Non, mais moi il y a la meuf surtout. Lui il est complètement taré, mais ouais, c'est la meuf. Pas cheveux roses, c'est l'autre. Non, l'autre. L'autre elle a rien à voir, elle a pas d'histoire, la pauvre, la vie. Je vais lui botter le cul, tu vois. Pour de vrai, elle a dit qu'elle sait pas encore ce qu'elle va faire dans la vie. Ça n'a ni queue ni tête, ce braquage. Même pas cap de me tuer, même pas cap. T'as la truc ou pas? Même pas cap. Allez, descends. Allez, hop. Mets-toi à genoux ici, s'il te plaît. Non. Bouge pas, je te baisse. Reviens. Non. Reviens, arrête, viens. Mets-toi à genoux ici, mon gars, s'il te plaît. Non. Oui, je suis un gros zinzin. Mets-toi à genoux ici, mon gars, s'il te plaît. Ok. Merci. Comme on dit, la mets 2-3. Attention. Mettez-moi à genoux, s'il vous plaît, mesdames. Moi, je focus que le blondinet, là. Hein. La police, ils ont des explosifs sur eux, ils vont tout faire exploser, même vous. Enculé. Ta gueule, toi. Ok. Calme-toi. Ils m'ont blessé, la police, à l'aide. Oui, on l'a blessé. Il y en a une qui a pris une balle, par contre, les gars. Pour de vrai, ils ont tiré sur tout le monde. Qui a pris une balle? Qui a pris une balle? La petite à gauche. À gauche, là. La petite à gauche, à ma droite. Toi bien, espèce de punk à chien, moi. D'accord, très bien. Alors, écoute, si tu es frustré sexuellement, c'est pas mon problème. Maintenant, on est là pour négocier, ok? Moi, je veux que tu libères en premier. Moi, je veux que tu libères en premier celle qui est blessée, ok? Regarde, ça va être simple. Mais demande une contrepartie. Tu me libères la première qui est blessée maintenant. Sans contrepartie. Comment ça, sans contrepartie? Sinon, on est méchant. Bah, sois méchant, vas-y, regarde. À l'aide, ils ont dit qu'ils allaient me tuer, à l'aide. Non, pitié. Sois méchant. Polquez-moi. Essaye d'être méchant. Pitié, s'il vous plaît, d'être méchant. Oh, c'est monsieur Chemus, sauvez-nous, en tant que bon patriote. Essaye d'être méchant. S'il vous plaît, pas monsieur moi. Monsieur Chemus, ils sont immigrés, vous dur. Essaye d'être méchant. Alislas, je te demanderai de mettre le silence. Très bien. Écoute, tu me la libères. Les gars, j'arrive, je vais reculer du riz. Donc on va te demander une contrepartie et ça va être non négociable. Alors c'est quoi ta contrepartie? J'ai l'impression qu'ils comprennent pas, en fait. Ben déjà que vous allez commencer à dégager les deux côtés parce que les barrières. S'il vous plaît, faites pas les cowboys, ils vont me tuer, vous comprenez pas, ils vont me tuer. Ouais, et votre équipe, elle va se mettre en face de nous, déjà, pour commencer. Ok, très bien, je te demanderai juste de reculer d'un petit peu. Ok, je négocie, vas-y, voilà. Parfait. Les gars, mon riz, il est cuit dans 2 minutes 30, dites-moi quand c'est bon. On soit l'un face à l'autre, pas les côtés, pas derrière. Ok, c'est bon. Ouais. Bizarre, quoi. Allez, mets-toi à genoux, ma grande. Remets-toi comme t'étais avant. Ok. Là-bas, ils ont entendu. Parfait, tu peux la libérer. Est-ce qu'il y a ton monstre qui sort de toi, là? Non, je trêve. Bon. Ah. Tu peux y aller, madame. Allez, je lève-toi. Je peux récupérer mes affaires? Non, mais madame. Bah, je me sens plus femme que homme. Ouais, mais pas madame, toi, du coup. C'était okay. Un couteau, une machette. Et ton petit Samsung. Madame, est-ce que vous pouvez juste vous rasseoir vite fait comme avec les mains en l'air? Juste vous. Allez, avance. À gauche, s'il vous plaît. Non, vite fait. Non, je m'en vais, c'est bon. Voilà. Parfait. Le IM. Ah, c'est toi comme la dame là qui est là. Sur le côté, il respecte pas trop à droite. Hein. Monsieur? Ouais, ils arrivent, t'inquiète pas. Ok. Bon. Vous allez voir, les gars, ce que j'ai acheté, c'est aberrant. Vous allez voir, les gars. C'est que vous arrêtez de piquer ce qui appartient à l'Amérique. Répas, surtout, répas. Ça appartient pas vraiment à l'Amérique, ça appartient à des multinationales qui font passer des tonnes et des tonnes et on prend juste une petite taxe qui revient au peuple, quoi. Une petite taxe, c'est-à-dire. Ouais, vous, viens. Vous. On prend. Oui. On se nourrit, quoi. Il y a du blé, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Prends-nous en photo. Et peut-être. C'est bon. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller acheter ça? Tu vas où? Tu vas où? Non, pardon. Ah toi, je vais vraiment te niquer ta race, toi. Toi, tu veux jouer avec mes nerfs, j'ai compris, toi, en fait. Le travail ne ramène pas tant d'oseille que ça.
Et moi je vais pas mentir, je suis une feignasse. Est-ce qu'il m'arrive un truc de ta faute? C'est vrai qu'il est un peu feignant lui. Une feignasse, mais t'acceptes de faire des kilomètres pour... Le riz! Ça fait 2030 les gars? Ah putain de... Ouais bah si je suis encore assez vivante. Ah non, mais non. L'otage, arrête de parler fort s'il te plaît. C'est la femme avec son covering sur la tête. Mais fais gaffe là. Oh là là. Tu prends une balle. Eh, c'est quoi ton blaze à toi? Orange là. Stanislas. Alors arrête de menacer les otages. Ta gueule. Et je vous demanderai de me respecter s'il vous plaît, je vous ai pas insulté. Ah, respecte-nous, on te respecte. Il est cul les gars. Respecte. J'arrive. Enfin, avec beaucoup de mal. Mais bref, maintenant il vous reste combien d'otages? Il vous en reste deux, c'est deux ça? Deux otages, il nous reste Roxy la cochonne, Roxy la cochonne et Stanislas le trou de bol. Ok, on pourrait les voir s'il vous plaît. Levez-vous, juste là, levez-vous, mais sans bouger, Stanislas. Ça veut juste dire lève-toi. Stand Stanislas. Up, Stanislas. Attends, Stanislas, attends, tu vas te prendre un pied bouche, Stanislas. S'il vous plaît. Ah, Stanislas, je crois qu'il comprend jamais. Hein. Voilà, il s'est levé, vous le voyez? Excusez-moi, parce que pardon. Exactement ce qui se retrouve à l'intérieur. On m'a appelé? Là pour récupérer de la nourriture. Ah, c'est bon, différent. C'est extrêmement compliqué. Tu restes à ta place, tu restes à ta place. Ouais. Donc tu restes à ta place, arrête de croire. Actuellement, ton... je veux la vie arrête des otages. Arrête de croire dans ton film d'action j'estime, là. Hey, t'es j'estime, pas, tu regardes pas une série SWAT, actuellement plus là, important. Hein. Bon, écoute, on est dans le jour où tu t'as basculé là, tu me racontes ta vie. C'est toi, tu racontes ta vie. Je te demande juste. Bon, bref. Je te demande juste, s'il te plaît, de comprendre que nous, on veut l'or du pays. On est le cul bec. On va partir avec et on va s'en mettre plein les poches. Tu vas avoir l'or. On va avoir l'or. Tu vas pas avoir l'or. Ok, tu sais quoi? Je vais me concerter avec mes collègues, je reviens. Concerté, là, parle bien par contre. Venez, parle bien. Merci Seigneura. A l'aide, au secours. Au secours, à l'aide. Tu veux pas le ramadan? L'aide. A l'aide. A l'aide, au secours. La police, aidez-nous. Nous sommes dans le besoin. Oh merde! Messieurs, maintenant on va commencer à parler un peu plus sévère parce que je vois que les manques de respect. Bah les couilles! Les gars, vous savez ce qu'il y a reste à faire, les gars, froid. Rapprochez-vous des cibles! Rapprochez-vous des cibles! Calme-toi! Rapprochez-vous des cibles! Eh, je vais te dire, je suis quelqu'un qui a le sang-froid! J'ai le sang-froid, je suis pragmatique! L'OTAN, je suis perdu pour rien! Les gars, c'est de la mort RP, les gars! Tu m'écoutes, tu vas faire peur à personne! Je vais pas te laisser voler l'or du pays, à la limite, tu prends le cul! Tu vas pas négocier! Tu n'auras pas l'or! On va partir avec! Très bien, alors je vais être un peu plus corsé! Tu ne partiras pas avec l'or et l'argent du pays. Bon, ben on va partir avec. Ah, faut le mettre okay, en PLS. Maintenant je vais être encore un peu PLS, plus corsé. Mets-le en PLS. Si tu pars avec PLS, l'argent et le cuivre, mon gars. On sera contraint de vous mettre en état d'arrestation. D'accord. Mais tu vas nous mettre en état d'arrestation. Une fois que tu nous auras chopé, parce qu'on va partir avec les otages si tu continues dans ces... Non, t'inquiète pas les frères, je lève les mains, moi si vous partez avec les otages, c'est un choix que vous aurez fait. Merci l'Ostri. Merci mon frère, t'es un beau. Le BSB ça du quoi mon frérot, merci. Vous avez un otage en moi. Mais putain, on a un otage. Tu sais quoi, on va négocier, regarde, on va négocier. Je te donnerai pas l'or. Par contre, t'as dit, je sais pas, fais un truc. Ok, déjà on part sur quelque chose de bien. Ok. Merci mon frère l'Ostri, merci. Il y en a un qui est en train de... Ah ben oui, il a peur, hein, vous avez braqué tout ça avec vos armes. Ben oui, ramenez un EMS, il y en a un qui est en train de faire un malaise là. Hé, hey, il va mourir. Non, les Faïvo, c'est pas... Bougez un là un peu. Là, voilà vos trucs d'action, là, vous l'avez mis la pression. Écoute-moi bien. Attends, je vais le porter. On prend le cuivre. Et je veux que vous me ramenez l'otage qui fait un AVC, easy. Ah, il bave et tout, c'est dégueulasse, il est en train de crever là. Okay. Il aura pas le cul, mais t'auras l'otage, c'est tout ce qui va se passer. Dans la bouche, je vois beaucoup d'unités là quand même. C'est ce que t'es actuellement en train de voler là. Tout le monde ne sera pas sur la poursuite, vous inquiétez pas. Alors chacun fait son travail, vous braquez des trucs, nous on fait les flics, d'accord? Oui, ta gueule toi, ta gueule le chauve. C'est très bien comme ça. Vas-y, refile l'or parce que. Non, mais prends un mécano, on va partir comment? Qu'est-ce qui s'est passé quoi là? Mais les gars, vous. T'inquiète pas, pas partir, ils vont le faire, Oui, c'est bon, on aimerait voir la personne qui fait un ABC, s'il vous plaît, la voiture nous empêche de vérifier. Lève-toi, attends, c'est la personne. Eh, il est mort, vous l'avez tué à rien faire, il est mort là, il est Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, c'est bon, je veux pas mourir. Vas-y, viens, on essaie de le soulever là. Attends, je pense à l'ange là. Oh putain, il me force fils de pute. Hop.
Vas-y, attends. J'ai le médecin pour venir. Attends. Monsieur, s'il vous plaît, y'a un médecin. Dégage le temps que j'ai la langue là. Un AVC. Très bien, posez-le par terre, s'il vous plaît. C'est ça. Hop. Bien, maintenant, pour libérer l'otage blessé, ça va être simple. On va ranger nos armes et en échange, et on va vous le libérer. Ok, bah parfait, on part sur ça. Les mecs, récupère-le, là, je suis en train de me faire mordre. J'ai pas entendu, je peux répéter, on part sur ça. On part sur ça, on part sur ça, on part sur ça. Nickel, prenez-le, baissez vos armes, y'a pas de problème. Ah non, ramenez-le avec vous. Ouais, prenez-le avec vous, prenez-le avec vous. Passe les mains, toi. Ah. Je l'escorte. Ah ouais, 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 ouais. On le mène de rien. Les gars, ça fait une heure, je m'étouffe, il a raison, en peste. Je suis juste. Prends sur le côté. Prends monsieur, sur qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est faux. J'ai pas fait un AVC, j'ai fait semblant de faire un AVC. C'était juste pour être libre. Regardez ma langue, elle va très bien, j'ai fait semblant d'avoir avalé ma langue. Le doigt fait A. Ok. Mon plan a réussi. Et ça, j'ai vu ça dans le film Fast and Furious 4. Oh putain, mais bien joué. Merci Loski. Ils vous ont fait du mal? Non, mais ils m'ont volé mes armes et mon couteau, s'il vous plaît, vous pouvez demander. Ah oui, oui, bon, ça, je peux rien faire. Vous pouvez leur demander. S'il vous plaît, demandez-leur. Mais laissez-moi dormir. Ils m'ont volé mon téléphone et tout. Demandez-leur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un, trois, il m'a piqué. Un, deux, hop, il vous a niqué. Vous l'avez niqué? Oui, parce que j'ai pas dit trois. Madame, faites gaffe s'il fait des attouchements sexuels ou quoi. Hein. Monsieur, s'il vous plaît, allez-vous-en, je suis en train d'opérer madame. Madame, a appelé la police, hein. Si jamais, hein. C'est à cause de vous que je me suis pris une balle déjà en plus. Hein, vous m'avez défouillé, fouillé, j'ai couru moi. Quelle idiote que je suis. Je vous ai écouté. Écoutez, que ils vont essayer de voir, monsieur. Oui. Comment? Ils vont essayer de voir. Et ils vont. Ah, ok, merci. Rendez mon téléphone! Rendez mon téléphone, voleur! Rendez mon téléphone! Bande de voleurs! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien? Ça va, je fais semblant d'avoir avalé ma langue pour qu'il me libère. Ok, ah, ça c'est vraiment. Smart. Masterclass. Bah oui, je sais, je suis, on m'appelle le GOAT. Le GOAT? Oui. Genre, c'est vous, c'est R7? C'est, attends, c'est moi, mais juste, excusez-moi, deux secondes. Rendez mon téléphone! Bien, on a le mécanicien présent. Mon téléphone! S'il vous plaît d'avancer, de déposer le cube, et nous on fait avancer le mécanicien. Rendez mon téléphone! Bougre Dan! Jeune farfadé malicieux, ah, rempli de malice. Par le mal-être de Spartacus. Que des niveaux 3. Que la foudre s'abatte sur vous, bougre Dan. Vendeur de casquettes, gibier de potence. Loski, merci pour le 5 subs. Merci mon frère. Merci beaucoup mon frère, t'as un bon. Mais les gars, vous savez que je troll pas? Genre Théma? Théma, tous les morceaux ils sont comme ça les gars. Vous les voyez les petits cubes là? On est beau en bleu quand même. C'est... Mais rouge, j'aimais bien aussi. Hein. C'est hyper transformé et chimique. Non, pas toi. Ah, ok. C'est bizarre. Je crois qu'un jour on sera marron. Tiens, Stanislas, descends. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mon téléphone! Merci. Mon cran d'arrêt et ma hachette, c'est parce qu'en fait je suis bouché oui. Pour tuer les poissons, etc. D'accord, okay. Allô. Oui, allô. Oui, pourquoi vous m'appelez en masqué? Je suis policier, moi, à la base, hein. Pas mécano. Hein. Ok. Ok, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, ouais, là, on n'a pas été. Vous pouvez lui demander cool, de quoi. Sortir. Ça a pas été cool.
On n'est pas parti sur une marque de confiance là, il y a quelqu'un, il y a l'otage qui est revenu dans votre coffre. Mais est-ce que c'est nous, on l'a ramené dans le coffre? Ah, je peux pas savoir malheureusement, vous pouvez pas. Faites-le sortir, fais-le sortir du coffre. À l'aide, ils m'ont mis dans le coffre, à l'aide. Je vais le descendre lui. À l'aide, à l'aide, la police. Ils m'ont remis dans le coffre. C'est comme ça. À l'aide, c'est bon, c'est libre. Bah enfin, merci beaucoup la police, c'est grave. C'est grave ça, c'est grave. Mais ils m'ont remis dans le coffre. C'est votre choix les gars. C'est votre choix si vous voulez la jouer comme ça. Maintenant vous bougez plus, d'accord? Et on va continuer les négociations corsées. Vous allez voulu me prendre pour un con. Les collègues vous visez. Vous allez voulu me prendre pour un con. Bah, vous pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Maintenant, je veux récupérer 50% de votre or. Tente quelque chose toi là-bas, tente. Tente quelque chose, vas-y, tente. Attends, on va laisser tout. Entourez la zone, merci à Squad Hype. Mais laisse-moi dormir. Hidater, il est rentré dans le jeu direct. C'est un génie. Je vais, regarde, depuis tout à l'heure vous demandez des choses. Regarde, celle-là je vais la canner si vous commencez à nous casser tu les la canne, malheureusement va t'exploser. Écoutez bien, l'ordre du pays ils sont en train de craquer. Ils sont en train de craquer. Vas-y. Donc, je vais être clair avec vous. Je vais être clair avec vous. Et par contre, sort de la voiture. Non, 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 vous inquiétez pas, deux secondes, vous inquiétez pas. Vous avez voulu baiser en récupérant un otage, et ben voilà. Et ben on va bien baiser, les gars. Attends, t'inquiète. Une voiture qui doit partir, donc du jeu de soldats. Non, t'inquiète, vraiment, t'inquiète. On va trouver le négociateur, c'est lui qui. On va trouver un terrain d'entente, on va voir, on va voir. Par pitié. Si vous le mettez malheureusement. J'espère être dans la poursuite par pitié. On va trouver un négociateur. On va trouver un terrain d'entente, messieurs. Lâchez l'otage, vous inquiétez pas pour les 50%. Les gars, comment ça longe? On va s'arranger autrement. C'est slash E quoi déjà? À 20% d'or. Pour être le tech là. Ça appartient au pays, d'accord? On passe out. Calme-toi. Ça c'était dans mon passé. Pour savoir, si l'or qui a ah non, pas ça, t'es cheaté. Vous voulez pas faire ce choix là? Chémuche. C'est bon. Ils ont un otage, on va y aller doucement. On va récupérer la petite dame. D'accord, et on va récupérer l'autre ensuite, d'accord? J'arrête de négocier, c'est bon. Oui, je vous laisse reprendre mon lieutenant. Alors, tu sors de cette voiture hein? Bon monsieur. Oui, non, t'inquiète pas, c'est Simus qui va nous monter. Non, y'a pas de t'inquiète, c'est arrêté la braquer. Non mais c'est Simus qui va nous monter. La braquer, on pourra continuer, moi j'aurai, je peux, voilà. Ok, ça marche. Problème. Merci. Je bouge mon arme. Enfin, j'ai mon arme dans les mains, mais je braque pas. Voilà. 59, approche-moi. Y'a une petite dame, c'est ça. Juste la petite dame. Ouais. Ouais. Elle est à Paris, elle part en poursuite. Ouais, je suis avec 59 et c'était. Alors, j'ai un égo d'homme, du coup, j'ai envie de te dire non, mais c'est ce que je voulais te proposer, du coup, je veux dire oui, d'accord. Et on va partir comme ça. Sors de là. D'accord. Allez, mon petit. Ferme ta gueule. Tu veux pas aller rester avec les médecins là-bas? Non, ils m'ont dit de rester là. Va voir avec les médecins là. Non, ils m'ont dit de rester là parce qu'en fait, ils peuvent me rebraquer. Ok, monte. Ok. Je monte avec qui? Chez lui, viens. Et Dion, viens. Qu'est-ce que tu fais? Descends. Même pas l'heure. Mets lui des coups de coude à l'arrière. C'est celle de gauche. Hé hey, on va vous chercher, les gars. Une pas l'heure, Chichua, une pas l'heure. Prends les tuyaux, je pense. Je vais te niquer ta mère, toi, enfoiré! Putain, malade, on a failli mourir de ta face! Non! Attrapez-la! Elle m'agresse! Elle m'a agressé! Casse-toi, je vais te tuer! Non! Ma mère, je vais te buter! Smahli, cover style! Non, ça va pas! Eh, papa, viens ici, là, monsieur! Allez, bonsoir! Hop, hop. Bonsoir! Bonsoir! Vous étiez l'un des otages? Oui! Présentez-moi une pièce d'identité, s'il vous plaît. Bien sûr. Tenez. C'est elle l'agresseuse, vous l'avez vue, hein. Je vais te niquer. Nini. Les amis, GMK aujourd'hui, nouveau véhicule. T'as pas cette tête avec son covering sur sa tête. Madame. C'est sûr. Attendez, vous pouvez démarrer la voiture pour voir si elle fait du bruit? Ouais, attendez. Genre, démarrez là et mettez-vous pas ça, c'est. Pour voir si elle fait du bruit. Vas-y. Mais tout passe assez. Écoute-moi bien, si tu prends le volant et t'accélères, crois-moi, ça va mal se passer. Ok, je vous jure que non. Vous faites confiance ou pas? Vas-y. Ok, non, c'est bon. Non, c'est bon. Oui.
Non, c'est bon, nickel, parfait. La vôtre, on l'avait déjà en fait. Merci beaucoup, madame. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Non. Stanislas! Stanislas, j'ai mon Glock. Arrête. Stop! Ok, mais c'est... Stop! Mais juste... Une fois! Ok, stop. Ok, ok, je reviens là-bas. Deux fois! Ok, je reviens là-bas, Mais c'est quoi le but de la voiture? Je sais, c'est une punition. Mais elle est trop bien la punition, elle pète sa mère. Oui, bah oui, elle pète sa mère. Et le strike, et le strike! Oh merde, oh merde. Mais va se calmer la gonzesse là, non mais oh. Qu'est-ce qu'elle veut, GMKK là? Eh, toi, fais gaffe, toi! Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut, hein? Eh, Stanislas, c'est mort. N'oublie pas, t'as un covering sur la tête. Ça va pas te lâcher, je vais faire la vanne tous les jours avec ton covering. Tous les jours, ton bicolore sur la tête. Tu vas voir, oui, toi aussi, la bicolore là, tu vas voir. C'est quoi la prochaine étape? On sort un poil! Allez, on sort en soutien gorge! T'es déjà un poil! Ah oui, c'est vrai, pardon, my bad. Putain! Mais pourquoi t'as des poils en forme de string toi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Regarder ça en délinquant! Mais non, n'importe quoi! Arrêtez-le là! Je suis un agriculteur et d'ailleurs, on en a marre des gens qui les impôts et les agriculteurs! Qu'est-ce qu'il y a? Stanislas, votre numéro de téléphone s'il vous plaît! Mais je crois que je suis un mec facile ou quoi? Vas-y, salut, ouais, mec. Donne ton nom! Donne ton nom comme ça, je vais te rappeler, on va régler ça là! Je suis pas mec facile, Stanislas, les gars, je suis pas mec facile! Stanislas. Moi, je baise moi! Par la grâce de faire fader malheureux et généreux, ne serait-ce pas un charreau, un carrousel libre d'accès? Mais c'est cela! Bonsoir, excusez-moi de vous déranger! Oh, mais c'est qui lui? Bah ouais! Bonsoir! Ouais! Oh, des chinois! Comment ça, des chinois? Rojisa? T'as vu? Je prends ta chignasse et je t'éclate contre le pare-brise. Des chinois! Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Viens, on va se la mettre. C'est quoi, mon gars Moni, va se la mettre avec toi? C'est quoi, mon gars Moni? Vas-y, viens, Monica, viens. Vas-y. C'est qui, Monica? Viens, on se met derrière la barrière. Eh, hey, t'appelles Monica. Je t'arrache, je suis Monica. Vas-y, Monica. Ah, ouais. Viens, Monica. Ouais, moi c'est Moni. Vas-y, recule. Eh, tiens, dans ta gueule, Monique. Tiens, vas-y, viens, tiens, dans ta gueule. Tiens, Monique. Tiens, tu perds pas le nord, toi. Tiens, Monique. Monica. Non. Non, c'est pas non. Tiens. Et commence pas par les Chinois après je t'arrache la tête. Ah, commence pas. Je t'arrache le crâne. Je t'arrache. T'es quoi toi? Je t'arrache le crâne. Je suis mexicain, moi. Faire des lettres, ma gueule. Mexicain, je t'arrache. Oh là! Viens. Voilà. Eh les gars, c'est le jeu. C'était le jeu, les gars. C'était le combat. Dans ma homme. Putain, mon gars. Ouais. C'était le jeu, les gars. C'était le jeu. C'est quoi ton blaze à toi? Non! Stanislas, viens voir Stanislas. Stanislas, écoute-moi bien Stanislas, hein. Moi tu me dis chinois, moi par contre. Je vais rigoler avec toi, fais attention. Eh, Romain Machine de l'eau, ça c'est coréen. Et moi je suis coréen. Je vais te niquer, cours. La police, ils ont des armes, hein. Je les ai vus avec une arme. La police les a vus avec des armes. Stanislas, tu te tais, Stanislas, d'accord? T'as agressé un civil. Ok, mais par contre, ils ont des armes. Vous jure, c'est vrai, ils ont des armes. Retournez dans votre voiture. Allez, tenez là. $5, putain, fais chier. Et on se reverra, Stanislas. Mais vous abusez les flics avec des amendes de $5, putain. Ah, eh, monsieur. Bon, toutou, merci d'avoir garé ma voiture, sale. Avec les barres, va. Vous les menacez, vous aussi? Non, on menace pas. Tfou, va, tfou. Tiens. Mais le but, les gars, c'est de mourir. Putain, ça va être chaud, il est déjà minuit, frère. Pas de ralentir. Oh merde. Oh si. Ah ouais. Oh putain. Bah. Ah oui. Ah putain, ma tête. Okay. Bah là, y'a pas que la tête là. Y'a plus de porte, y'a plus rien. Bah, c'est un véhicule que d'évoluer, c'est pas grave. Ah bah, super ça. Voilà. Matière.
Ouais. Qu'est-ce qu'il me fait? Hop là les gars, faut toujours les gars arnaquer l'humain. L'humain sera jamais où est-ce que je suis. Vous avez Qu'est-ce que vous faites monsieur? Mais vous avez pété un boulard? Vous avez pété un boulard? Oui, je crois que c'est devenu fou, désolé. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a fait monsieur là? J'ai des problèmes dans la tête, désolé. Allez, expliquez-nous tout. Allez, venez. Asseyez-vous sur les toilettes, on va en parler. Ok, très bien. La thérapie toilette. Très bien. La thérapie toilette. Alors. Terry vient. Thérapie toilette. Allez, explique-nous tout. Prénom. Non, on range la matraque. J'ai des hémorroïdes, c'est dur à s'asseoir. Alors, je vous explique. Donc, en gros, depuis tout petit, j'ai des problèmes. D'accord. J'ai des problèmes. Dans la vie, et j'ai jamais eu d'argent. Ouais. Fais-toi plaisir, c'est le potard, tu veux dire faire quelqu'un dedans. Et mes parents. Fais pas un petit chipot, ça sortira mieux. Ils m'ont abandonné, mes parents. Et oh merde, fais attention, attention, merde. Putain. Et du coup, ils m'ont jamais dit comment j'aurais pu. Subvenir à mes besoins. C'est Terry, t'es en train de t'en prendre partout là. Ça me dérange pas, j'ai l'habitude de la merde quoi. Oh, Terry, t'es dégueulasse, va te laver. Non, mais si vous savez ce qu'elle faisait ma femme quoi. Attends, j'arrive pas à m'expliquer, je suis dégoûté premier degré là. C'est pas grave. Attendez, j'ai reniflé. Oh non, les gars, ça m'a vraiment dégoûté, faut que je mange vite avant que je vomisse, attendez. Oui, je vais aller changer de tenue. Ah, j'ai plus faim. Ça raf tout lec. Je sais pas, non, je crois pas. Désolé. Au revoir. Allez, c'est pas grave. Allez, bonne soirée. Bonne soirée aussi.